Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On va commencer dans quelques minutes, on attend que les derniers participants nous rejoignent. Je vous propose en attendant de participer dans le fil de discussion proposé en découvrant les titres des livres qui sont cachés derrière ces émojis. Donc n'hésitez pas à participer. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On attend encore 2 petites minutes pour démarrer. En attendant, je vois que vous êtes nombreux à participer et à proposer que des bonnes réponses pour l'instant dans le fil de discussion, avec les fourmis numéro 18, le vieil homme et la mère en numéro 11, les mystères de la chambre jaune en 21, le rouge et le noir en 8. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à participer, les raisins de la colère en 17. Voilà, n'hésitez pas à continuer à participer pendant 2 minutes et puis on démarrera la présentation. À tout de suite. Alors, avant de démarrer, pour réagir à vos dernières propositions, le 22, ce n'est pas vacances romaines. Le 3, c'est bien des souris et des hommes. Le 16, c'est bien vipère au poing. Le 24, l'appel de la forêt. Poil de carotte pour le numéro 20. Le 14, sur la bicyclette bleue. Le voyage autour de la Terre en 19, non. Le malade imaginaire en numéro 5, non. Le petit prince en numéro 1, oui. Voilà, vous êtes désormais plus de 80 participants, c'est formidable. On est ravis de vous accueillir. Et donc en 5, c'est bien la nausée et non une autre proposition qui avait été faite plus haut. Oui, en 22, c'est bien ça, c'est la trilogie L'ami prodigieuse, tout à fait. Et en 19, le tour du monde en 80 jours.
On va démarrer. Je demande à tout le monde de bien couper son micro et sa caméra pour limiter pour l'instant les différents flux qui peuvent poser des problèmes de connexion. Je vais couper un instant le partage pour vous rejoindre en visio. Et on va démarrer. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez bien. On est ravis aujourd'hui de vous réunir donc pour ce temps de formation jusqu'à 17h en compagnie de trois personnes aujourd'hui réunies pour vous renseigner, vous informer et alimenter le plus possible votre travail et vos réflexions autour de la lecture à voix haute. Je suis Laura Baron, coordinatrice nationale des Petits Champions de la lecture. C'est la première fois dans l'histoire des Petits Champions que l'on propose ces après-midi de formation en visioconférence pour le moment. On est ravis de voir que chaque session a réuni beaucoup de participants, mais qu'aujourd'hui vous êtes particulièrement nombreux. Je remercie à tous ceux qui sont connectés et qui ont permis de faire le relais autour de cette information et à tout le monde de participer. Alors, je vois qu'on entend un écho. Je suis désolée si ça vient de moi. Je ne sais pas si c'est entendu par d'autres personnes. Alors, ceux qui n'entendent rien, alors il n'y a pas d'écho apparemment chez les autres, mais il y en a qui n'entendent rien. Peut-être que vous n'avez pas activé vos haut-parleurs correctement. Pour cela, vous pouvez vous rendre en bas dans la petite barre qui s'affiche désactiver le son. Vous avez des paramètres sur la petite flèche qui va vers le haut et qui vous permettent de tester le haut-parleur et le microphone, donc dans les deux sens. Voilà. Je vais demander à Frédéric Bruyas, qui est donc lectrice publique, formatrice en lecture à voix haute, d'activer sa caméra et son micro pour se présenter et saluer les participants. Bonjour à tous. Je suis très contente d'avoir rejoint cette année l'équipe des Petits Champions. Et voilà, moi je suis lectrice publique depuis un peu plus de 20 ans. J'ai vraiment fait ce choix un peu radical. Et voilà, je vais essayer cet après-midi de vous transmettre des choses qui me paraissent importantes pour que vous puissiez rentrer dans le jeu et travailler avec vos élèves du mieux possible. Voilà. Merci Frédéric. Alors, on aura aussi deux témoignages cet après-midi d'enseignantes qui ont participé et participent encore à l'opération. Élodie Valero notamment qui va activer son micro et sa caméra pour vous saluer. Bonjour à tous. Je suis ravie aussi d'être là et de voir qu'il y a autant de monde, comme quoi la lecture rassemble encore beaucoup et je suis ravie de ça. Je suis enseignante en CM2, je suis aussi maître formateur et je participe aux Petits Champions depuis 2015, encore cette année. Et j'ai eu la chance l'année dernière d'accompagner une de mes élèves en finale jusqu'à Paris à la Comédie-Française, une expérience magnifique que je partagerai avec vous tout à l'heure. Merci Elodie. Et Sandrine Plouard, qui est également enseignante. Alors, elle nous entend, mais on avait un petit problème de micro tout à l'heure. Donc, si déjà, Sandrine, vous pouvez réactiver votre caméra et votre micro et voir si cela fonctionne. Autrement, nous faire un petit coucou à l'écran en attendant qu'on rétablisse ce problème du micro d'ici votre intervention. Je ne sais pas si vous Oui. m'entendez là. C'est bon? Bah, écoutez, formidable. J'étais un peu stressée. Donc voilà, bah, je suis très contente de participer aussi. Moi, je m'étais inscrite, bah, je pense, dès la création du jeu. J'avais eu une élève qui avait été sélectionnée pour la régionale et ça s'était arrêté là la première fois. Et l'année dernière, on a eu la chance avec Wayne d'aller jusqu'en finale et je regarde un souvenir très ému. Donc, je vous souhaite à tous de connaître ça parce que c'est vraiment très, très chouette. Voilà. Super, merci beaucoup Sandrine, à tout à l'heure du coup pour votre intervention. On va démarrer sans plus attendre, vous êtes presque 90, c'est formidable. Je vais donc vous partager mon écran avec une présentation introductive voilà, du jeu, de son fonctionnement, de son historique, de ses objectifs aussi pour rappel. Et puis on enchaînera très rapidement avec le témoignage d'Élodie Valero. Donc je partage l'écran de suite. Et j'espère que tout s'affiche correctement pour vous tous sur le programme de cet après-midi. Alors, pour démarrer, on a souhaité voilà, recontextualiser la lecture à voix haute et de ce fait notre opération avec quelques éléments d'introduction, notamment avec les programmes d'enseignement au cycle 3, puisque vous le savez désormais, les petits champions de la lecture ne s'adressent pas seulement
aux élèves de CM2, mais également aux élèves de CM1 qui font partie de ce même cycle. Et on retrouve ici des éléments de programme d'enseignement qui permettent voilà, d'aller dans le sens de notre opération sur la compréhension du texte, une lecture fluide, et puis le fait de tenir compte de son auditoire, c'est-à-dire voilà, d'avoir une lecture qui s'adresse aussi aux autres, une lecture partagée, on en reparlera tout à l'heure. Et donc voilà, on a souhaité recontextualiser de cette manière avec quelques slides d'introduction. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les bruits parasites pendant la présentation? Merci beaucoup. Alors, voilà le cercle vertueux du bon lecteur. Alors, le bon lecteur, voilà, entre guillemets, l'important, c'est d'être lecteur. Donc, voilà toutes les institutions, toutes les actions qui se mobilisent autour de la lecture pour permettre aux élèves de maîtriser donc ces savoirs fondamentaux, ce savoir fondamental qu'est la lecture, avec évidemment les ministères qui nous soutiennent, on le verra dans un instant, les bibliothécaires. Je pense aussi ici, ne sont pas mentionnés les libraires, tous les médiateurs du livre, et puis évidemment les familles, mais aussi vous qui êtes au quotidien au contact des enfants et qui, au-delà de travailler sur l'apprentissage de la lecture, pouvez leur transmettre aussi ce plaisir de la lecture à voix haute et de la lecture partagée en classe avec ses camarades, ce qui contribue, nous le verrons ensuite, à développer des compétences en matière de lecture, mais pas que. Alors, les petits champions de la lecture s'inscrivent dans le plan EAC. Le plan EAC, c'est donc le plan éducation artistique et culturelle qui a été lancé il y a plusieurs années maintenant par les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale, qui permet donc de définir des axes d'éducation artistique et culturelle tels que lire, s'exprimer à l'oral ou encore développer son esprit critique, qui sont des caractéristiques qui vont évidemment dans le sens des petits champions de lecture et qui répondent à nos objectifs. Donc, on a souhaité vous les respécifier ici, toujours pour recontextualiser. Je le disais à l'instant, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture soutiennent tous les deux cette opération et donc, par cet intermédiaire, nous ont permis de rejoindre le plan EAC. On est ravis d'avoir un soutien fidèle et renouvelé chaque année qui nous permet de communiquer auprès des plus grands nombres d'enseignants, bibliothécaires, libraires autour de cette opération et ainsi d'encourager le développement de la participation qui, vous le verrez cette année, prend un nouvel essor et on est ravis de ce constat. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, les petits champions de la lecture, vous le savez, c'est un grand jeu national de lecture à voix haute qui, historiquement, est destiné aux élèves de CM2, mais qui s'ouvre cette année aux élèves de CM1, ce qui permet donc à tous de participer. Et j'expliquerai un petit peu tout à l'heure dans le détail comment le règlement s'ajuste et s'organise par rapport à cette ouverture du jeu. Alors, le but, c'est tout simplement de développer le plaisir de lire, de développer le goût de la lecture, d'avoir des moments de partage et de complicité en classe avec ses camarades en ayant plaisir à se faire découvrir des textes de littérature jeunesse. Et donc, c'est comme ça que l'opération est née, vraiment dans un but de découvrir la lecture à voix haute, mais aussi par cet intermédiaire, de progresser en matière de lecture, de confiance en soi, par ailleurs, et puis de gestion des émotions également, on en parlera tout à l'heure. Donc, ce jeu, il existe depuis 10 ans. Nous avons fêté nos 10 ans au mois de septembre à la Maison de la Poésie. Vous avez la possibilité de revoir par l'intermédiaire de notre site internet cet événement de lancement qui a permis de réunir notamment d'anciens parrains, mais aussi d'anciens petits champions qui ont participé il y a plusieurs années à l'opération. Et donc, dans ce contexte, on était ravis de célébrer également l'arrivée de notre nouvelle marraine, Suzy Morgenstern. Donc, pour revenir donc à cette présentation, la première étape du jeu, elle se déroule essentiellement au sein d'une classe, sous votre responsabilité d'enseignant. Et puis, elle peut aussi se décliner, on le verra dans le cadre de la présentation du calendrier, dans un travail de proximité, c'est-à-dire dans un travail avec le bibliothécaire qui va jouer un rôle majeur sur les différentes étapes du jeu. Voilà. Votre participation est entièrement gratuite. Les inscriptions sont ouvertes depuis le début du mois de septembre et le resteront jusqu'au début du mois de janvier. Alors, les objectifs du jeu, j'en ai déjà un petit peu parlé, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction. Il s'agit de développer le plaisir de la lecture, ce goût pour la lecture,
Et puis, par cet intermédiaire, de développer plein d'autres compétences, c'est-à-dire la confiance en soi, l'aisance à l'oral, le fait d'être plus à l'aise pour s'adresser à un public. Et puis, de développer aussi la cohésion de la classe. C'est un point essentiel pour nous. On considère que cette aventure, elle est collective et elle est collective tout au long de l'année. Puisque vous le verrez quand on présentera le calendrier, il y a une première étape du jeu qui se déroule sur la plus grande partie de l'année, sur les 5 premiers mois de l'année, qui permet à tous les élèves de travailler ensemble, de partager des lectures, de se faire découvrir des textes. Et puis, on va choisir un petit champion. Et à cette occasion, on va devoir le porter tous ensemble au fur et à mesure des étapes qui suivront. Et c'est notamment un point qui sera relaté par Élodie Valero et par Sandrine Plouard tout à l'heure et sur lequel je reviendrai à l'occasion de la présentation du calendrier. Donc, comme je le disais aussi, découvrir des textes et rencontrer des auteurs jeunesse contemporains, puisque lors de la finale nationale, et Sandrine Plouard nous en parlera aussi dans le cadre de la participation de Wayne à la finale nationale et de l'accueil d'un auteur en classe, nous proposons aux 14 finalistes régionaux d'accueillir dans la classe l'auteur du livre qu'ils auront choisi pour cette ultime étape. Et donc, toute la classe prépare cette rencontre et a l'opportunité, la chance de rencontrer cet auteur jeunesse. Et on en reparlera puisque ça donne toujours lieu à des moments privilégiés et des souvenirs très marquants pour les enfants participants. Je crois que j'entends quelques micros qui sont ouverts, donc je vais volontairement, et vous m'en excusez, j'espère, couper vos micros pour éviter les bruits parasites pendant la présentation. Alors voilà un petit rappel de la progression de la participation au jeu. Je vous laisse découvrir ces chiffres. Je vais simplement vous rappeler que l'année dernière, on avait 2150 classes inscrites au jeu. On avait dépassé cette barre symbolique des 60 000 enfants qui participaient. On était ravis de ces chiffres, surtout dans le contexte sanitaire. On se rend compte qu'on a doublé le nombre de classes participantes depuis l'année 2017 et surtout qu'on a un taux de réinscription chaque année qui est de plus de 70%. Donc, c'est vraiment pour nous un soutien important et ça nous encourage à développer toujours plus d'actions, de ressources pédagogiques. Et ça nous a encouragé aussi à ouvrir le jeu aux classes de CM1, puisque j'en parlerai dans un instant. On a fait un questionnaire auprès de chacun d'entre vous l'année dernière, ce qui nous a permis de prendre cette bonne direction. Aujourd'hui, on constate que l'ouverture du jeu au CM1 permet une évolution inédite du jeu. On a plus de 1800 classes inscrites après 6 semaines d'ouverture des inscriptions. Donc, vous voyez qu'on se rapproche, beaucoup du chiffre définitif de la participation en janvier dernier. Donc, on pense pouvoir en janvier 2022 clôturer les inscriptions avec un nombre de participants très important et ça nous réjouit particulièrement. Je vais vous partager de suite un reportage dans une classe participante qui va vous permettre d'entrer dans le vif du sujet, de faire une réelle immersion dans la classe. Et puis, on revient juste après pour continuer cette introduction. Bonjour, bienvenue à l'école élémentaire Ampère, située dans le 17e arrondissement à Paris. Depuis 6 ans, j'ai la chance de pouvoir participer à un concours autour de la lecture et surtout de l'oralisation des textes. Ce concours s'appelle Les petits champions de la lecture. Alors, au fil des années, j'ai essayé de modifier ma pratique pédagogique en enregistrant les voix des élèves afin de leur permettre d'avoir un regard autocritique sur leur propre lecture. Bonjour les enfants, là on s'attelle gay. Elle avait pris une voix chantante, comme pour leur chanter une comptine. On respecte bien la ponctuation, bien évidemment le texte est mis en valeur. Mettre le ton. Boire un verre d'eau avant de lire. Boire un verre d'eau avant de lire, ça peut être une bonne idée. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, absolument, pour que la lecture soit belle, que ne faut-il pas faire, Violette? Ne pas parler dans sa barbe, c'est-à-dire
ne pas donc plonger dans son livre sans en sortir en faisant une lecture personnelle. Marin choisit un banc situé un peu à l'écart, au pied d'un cèdre, et s'y assit pour réfléchir. Quelqu'un était en train de le faire marcher. Ces textes sont choisis donc par chaque élève. Le premier atout que nous avons dans ce genre de concours, c'est de permettre aux enfants de lire avec du plaisir. Pas une lecture obligée, pas une lecture imposée, une lecture un peu coup de cœur qu'ils permettent aussi donc de partager avec leurs copains. Les arguments de Mrs. Hubbard semblaient inépuisables. Quand la question qui faisait l'objet d'un débat aussi abondant fut apparemment réglée, Poirot entendit clairement un « Bonne nuit, madame » et le claquement du verrouillage de la porte du compartiment. Des vagues de terreur m'envahirent les unes après les autres. La lumière de la Pegisou avait disparu dans l'obscurité de la nuit, me laissant seule dans l'océan. Ce concours, donc d'oralisation, paraît être fondamental, car souvent on parle beaucoup de la lecture à l'école, mais sans forcément accentuer sur l'oralisation et la beauté donc du texte lorsqu'il est lu. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Tu veux que je te supplie, c'est ça? Que je me mette à genoux et que je te baise les pieds? C'est foutu, gémit-elle. Tu peux bien te rouler par terre, si ça te chante, nous allons être obligés d'abandonner. On a fait le tour des points positifs et des points à éviter. C'est bon? Le trac, ça se contrôle pas. Voilà. Merci beaucoup. Alors voilà, cette vidéo, elle vous a permis rentrer dans une classe, voir comment brièvement les choses se passent. Et puis, il y a beaucoup de points qui sont évoqués, notamment la question du choix du livre, sur lequel je vais revenir juste après. Je me permets de répondre dès à présent à une question dans le fil de discussion sur le fait de retrouver tous les documents, les vidéos. Évidemment, on vous enverra dès demain, à l'issue donc de ce temps de formation, toutes les ressources qui auront été partagées durant cet après-midi. Donc, tout vous sera envoyé ultérieurement et vous pourrez évidemment le partager avec vos collègues. Je vais remettre la présentation. Alors voilà, nous revoilà sur la présentation et sur le sondage, le questionnaire dont je parlais tout à l'heure. Nous avons entrepris donc en avril dernier de vous poser plusieurs questions sur votre expérience dans le cadre de cette participation. Il en est ressorti de nombreux chiffres que vous voyez s'afficher à l'écran, notamment sur l'aspect collectif dont je parlais et puis sur les progrès en lecture qui sont constatés chez les élèves suite à leur participation au jeu. On remarque aussi que vous êtes intervenu sur le partage en classe et les moments d'émotion que ça peut susciter, de bienveillance aussi entre les élèves et puis des progrès sur des élèves en difficulté particulièrement, que ce soit des troubles dys ou simplement des lecteurs qui rencontrent des difficultés de lecture, une très grande timidité. Donc voilà, c'était très encourageant pour nous d'avoir l'ensemble de ces retours. On avait pour projet, au moment de la diffusion de ce questionnaire, d'ouvrir le jeu aux classes de CM1. Et on a lancé ce questionnaire aussi avec, parmi les questions, une orientation à ce sujet. Et vous avez tous répondu spontanément dans ce sens. Donc voilà, ça a conforté notre envie, notre volonté. Et donc, ça nous a permis de définitivement mettre en œuvre cela pour cette rentrée scolaire. Alors, je rebondis sur les difficultés évoquées dans la slide précédente, sur le fait qu'aujourd'hui, ce dispositif, il est adapté à tous les élèves. Alors, on voit qu'il y a des difficultés telles que les troubles dys, la timidité, des problèmes de concentration également. Mais on a aussi souhaité s'adapter au-delà de ces élèves en difficulté à des élèves qui sont en situation de handicap. On travaille donc depuis 2 ans maintenant avec notamment des associations dans le Grand Est qui travaillent avec des élèves non-voyants ou des élèves sourds. Et on encourage du coup la participation de ces enfants sur l'ensemble du territoire au-delà de la région Grand Est, évidemment. On a été ravis de constater que Nolan, l'année dernière, est arrivé troisième à la finale départementale de la Moselle, qui est donc un élève non-voyant. Voilà, ça encourage beaucoup la participation de ces élèves et on a souhaité qu'ils participent
au même titre que les autres enfants au sein du même jeu et non pas dans une catégorie particulière. Voilà, j'en parlais à plusieurs reprises depuis le début de cet après-midi. On a ouvert le jeu aux élèves de CM1 cette année. Petite précision, on ne va pas créer deux jeux en parallèle, mais on reste bien sur une seule et même opération avec des enfants des classes de CM1 et de CM2 qui vont participer ensemble aux étapes départementales, régionales et nationales. On aura donc peut-être en finale nationale sur les 14 finalistes régionaux X enfants de CM1 et X enfants de CM2, nous en parlerons au mois de juin prochain. En tout cas, le but est de permettre au plus grand nombre d'enfants qui font partie du même cycle de participer, permettre aussi aux classes double niveau CM1, CM2, qui constituent aujourd'hui, à ce jour, plus de 40% des inscriptions recensées, de leur permettre de participer. Voilà, et de leur permettre donc de se retrouver sur toutes les étapes. J'en profite ici pour préciser que une classe égale un petit champion. Donc, si vous avez une classe de CM1, CM2, c'est la même chose, c'est un seul petit champion et non pas un petit champion par niveau. Et que vous pouvez organiser, si vous le souhaitez, au sein de l'école, une petite finale intermédiaire qui vous permette de retenir un élève de CM1 et un élève de CM2 si vous avez plusieurs classes de ces niveaux-là. Alors, je vois une question arriver, je me permets d'y répondre en même temps dans cette présentation. On inscrit donc les élèves de CM1 et de CM2 dans le même groupe? Oui, si vous avez une classe double niveau, évidemment. C'est la même inscription, c'est l'inscription de la classe, et donc ça donne lieu à un choix de petit champion. Si c'est une classe de CM1 et une classe de CM2, vous pouvez les inscrire de manière dissociée. En fait, quoi qu'il en soit, une classe égale un petit champion, que ce soit du double niveau ou non. Alors, je vais laisser la parole à Élodie. Je vais couper le partage. Je vais demander à Élodie de mettre sa caméra et son micro. Et je vais laisser donc Élodie Valero, comme je le disais en introduction, et je le redis ici pour ceux qui n'ont pas entendu et qui sont arrivés juste après. Élodie Valero est une enseignante dans Suez-la-Redonne, dans les Bouches-du-Rhône, à l'école Frédéric Mistral, si je ne dis pas de bêtises, Élodie. C'est tout à fait. Super. Et donc, Élodie va témoigner de son expérience en tant qu'enseignante participante depuis 2015. Élodie a notamment accompagné l'année dernière Emma jusqu'à la finale nationale, puisque Emma, son élève, a représenté la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la finale nationale. Voilà, donc je coupe ma caméra, je coupe mon micro et je vous laisse la parole, Élodie. Merci beaucoup. Alors, pour ma part, je vais d'abord vous présenter la mise en route du jeu dans ma classe, les ateliers que je peux organiser de façon brève et les temps dédiés, parce que je crois que par rapport à l'emploi du temps, c'est important aussi de communiquer avec vous là-dessus. Et enfin, on arrivera au choix de l'ambassadeur, comment ça se passe au sein de l'école dans laquelle je me trouve et dans ma classe. Voilà, c'est un témoignage d'expérience. Voilà, donc Laura vous le disait tout à l'heure, je participe depuis 2015 et je suis rentrée dans les petits champions par ma fonction d'adjointe à l'éducation et à la culture de ma commune, et c'est le rassemblement que ça a généré autour de la lecture qui m'a sidérée. À l'heure du tout numérique, j'ai été très étonnée de voir que la lecture pouvait rassembler autant, et j'ai fait basculer ça tout naturellement dans ma classe. Donc mon objectif en classe, c'est que grâce à ce jeu, les élèves passent d'une lecture orale pour être évalués, pour se relire, se livrer à un exercice, à un partage de lecture avec mes copains de classe pour qu'ils aient plaisir à écouter le livre que je leur propose et qu'ils aient envie de le lire. Donc, je plante le décor de cette façon dans la classe, et mon objectif aussi, c'est que les élèves se positionnent dans une véritable situation de communication et de partage. Donc, dès le début de l'année, je les mets en situation. Ils lisent oralement, de leur place, debout, devant le tableau. Et ensemble, on va essayer de dégager les critères d'une bonne lecture. Donc, ils y vont chacun de leurs critères, mettre le ton, l'intonation, la ponctuation, etc. Et tous les critères que l'on va ainsi lister, discuter ensemble, vont nous permettre de se fixer des objectifs de travail et des axes d'amélioration. Donc, vous imaginez bien, on a des critères comme le niveau sonore, l'articulation, le débit verbal, la fluidité, l'interprétation et le regard aussi. Là, je l'ai eu cette semaine. Ah, mais
on doit lever les yeux aussi, c'est pas mal quand le lecteur nous regarde. Donc, tous ces critères sont déclinés au sein d'ateliers, une fois qu'on les a abordés en collectif, bien sûr. Alors, par exemple, pour le niveau sonore, là, je vais vous parler très concrètement de ce que je peux faire. Je fais d'autres choses, mais ce qui me semble être le plus parlant. Pour le niveau sonore, on travaille avec les textes en écho ou en canon, ou alors dans la cour, on met le lecteur à distance de l'auditoire et il doit jeter ses mots, il doit les projeter et parler suffisamment fort. Alors, les textes en écho, par exemple, c'est un groupe d'élèves ou un élève, ça dépend de la situation qu'on veut travailler, va commencer à lire et à la deuxième phrase, c'est le deuxième groupe ou le deuxième élève qui commence à lire, etc. Pour la lecture en canon, ça, on procède de la même façon. Ça marche très bien, ça les amuse beaucoup, on prend beaucoup de plaisir à lire ensemble, pour le coup. Pour l'articulation, j'utilise les vire-langues, donc ça, on en a pléthore sur Internet, et toutes les techniques de projection vocale qu'ils réinvestiront ensuite dans le projet théâtre qu'on mène à partir du mois de février. Pour réguler le débit verbal, nous travaillons la respiration et les groupes de souffle, ainsi que la ponctuation. Alors, pour ça, je propose des ateliers de lecture en drapeau où je découpe le texte à la fin de chaque groupe de souffle, c'est-à-dire chaque groupe de souffle est mis à la ligne pour favoriser cette sensibilité au groupe de souffle parce que la ponctuation ne l'indique pas toujours. On peut faire aussi des jeux autour de la ponctuation avec tous les changements de sens qu'elle implique. Vous connaissez tous « allons manger grand-mère » ou « allons manger grand-mère ». Donc, on voit que la ponctuation peut sauver des vies, ça les amuse beaucoup et j'ai pas mal d'exercices là-dessus. La fluidité, on l'aborde au travers d'ateliers comme la lecture stop. Les élèves sont par deux, l'élève A lit, puis s'arrête de lire et c'est l'élève B qui doit continuer à voix haute la lecture. La lecture stop surprise, c'est le même principe, sauf que l'élève A commence à lire, s'arrête, poursuit dans sa tête, reprend la lecture et s'arrête quand il le désire et le lecteur B doit reprendre. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut entraîner comme exercice au niveau visuel. La lecture volée, un élève commence à lire, l'élève B lui vole sa lecture, puis l'élève C et on reprend les lectures en canon et en écho. J'utilise aussi des exercices plus techniques pour aider l'œil à se déplacer efficacement, discriminer finement les mots. Et bien entendu, la compréhension de texte est indispensable à l'interprétation du texte qu'on veut lire. Donc, on s'y entraîne lors des ateliers avec des exercices qui permettent de comprendre les inférences, de repérer les indices morphosyntaxiques et la ponctuation, la chronologie des événements. Enfin, tous ces exercices qu'on a l'habitude de pratiquer. Mais du coup, tous ces ateliers-là prennent du sens dans nos classes. Enfin, l'interprétation, qui inclut tous les éléments dont je viens de vous parler, passe pour moi immanquablement par un travail sur les émotions. Alors, j'essaie de travailler avec eux sur quelles sont les émotions que je ressens et que je souhaite transmettre. Donc, ça les pousse à s'interroger sur le texte, sur ce qu'ils veulent transmettre. Et pour tous ces points-là, je m'appuie beaucoup sur les vidéos des petits champions et les conseils de pros qu'on peut retrouver sur le site, mais ça, Laura vous en parlera sûrement tout à l'heure. Concernant ces ateliers autour de la lecture, on a un accueil en classe, nous, le matin, donc j'utilise cet accueil pour un temps de lecture silencieuse et un temps de lecture plus technique. Et ensuite, j'utilise le quart d'heure de lecture qu'on a placé, nous, dans notre école en début d'après-midi pour avoir un temps de lecture silencieuse pendant les 10 minutes d'accueil et ensuite des ateliers qui tournent sur la semaine. Ces ateliers, les enfants s'y inscrivent ou je les inscris d'office en fonction des besoins que l'on peut recenser ensemble. Donc, sur l'année, en première période, le quart d'heure de lecture est exclusivement consacré à la fréquentation d'ouvrages divers qui sont présents dans la bibliothèque de la classe. Quand je parle première période, on est tous d'accord, c'est de septembre à octobre. À partir de l'inscription au jeu que je fais très solennellement avec eux sur le site,
nous allons nous orienter sur la fréquentation de romans et je propose des jeux de classement de romans par thème, par auteur. On va les manipuler beaucoup, les lire, mais pas complètement. Bref, ils manipulent beaucoup les livres comme ils peuvent le faire depuis qu'ils sont petits. Mais là, c'est très orienté petit champion et lecture de romans. À la fin de la première période, donc actuellement, les élèves sont en train de choisir un des romans parmi tous ceux qui sont à leur disposition en classe. Et dans ce roman, je leur demande de choisir un passage qu'ils ont envie de proposer pour la lecture à voix haute. Alors, le choix de ce passage et du roman aussi peut se faire au hasard, parce que beaucoup ne savent pas pourquoi ils vont choisir. Donc, ça s'apprend aussi d'argumenter. Et au cours des ateliers, je consacre du temps aux élèves qui lisent peu ou qui ont des difficultés ou ceux qui ne savent pas que choisir tout simplement. Alors, certains choisissent aussi de partager un moment du roman qu'on étudie en littérature en ce moment. Pourquoi pas ? Moi, l'essentiel, c'est qu'ils se mettent en jeu et qu'ils commencent à sentir ce que c'est que de lire et de partager. Ce n'est qu'en deuxième période et donc avant les vacances de Noël, entre Toussaint et Noël, que les élèves doivent avoir choisi et lu un roman et sélectionner le passage qu'ils aimeraient présenter à la classe. Donc, on va mettre à profit toute cette deuxième période, en plus des ateliers, pour les aider à affiner le choix du roman et du passage. Ils vont s'appuyer sur les classements thématiques que nous avons pu faire en période 1, sur leurs propres apports ou sur les conseils que je peux mettre à leur disposition. Et c'est à cette période aussi qu'on a engagé un partenariat avec la médiathèque de la commune. Donc, sur la base des préconisations de lecture que propose le jeu, là j'ai rencontré la bibliothécaire mardi justement, et du fonds qu'ils ont disponible en médiathèque, nous allons organiser des séances pour proposer des cercles de lecture et proposer d'autres ouvrages aussi. Et du coup, certains enfants ont déjà envie d'y aller avec leurs parents et ça développe aussi au niveau social et culturel d'autres compétences. Au niveau des vacances de Noël, tous les enfants partent avec le roman qu'ils ont choisi et le passage qu'ils ont commencé à préparer, à sélectionner. Et ce que je leur demande, c'est de nous lire 3 minutes environ au retour des vacances et de voir ça pendant les vacances de Noël. Donc, en troisième période, nous proposons à l'élection des représentants de classe. Tous les élèves lisent leurs propositions à leur père. J'ai choisi de faire lire tout le monde. Et dans un second temps, ce sont uniquement ceux qui souhaitent se porter candidats à l'élection locale qui vont se proposer. Alors, en général, c'est un peu plus des 2/3 de la classe qui est candidat, ce qui est plutôt bien. Et sur la base des critères élaborés ensemble depuis septembre, ce sont les élèves eux-mêmes qui vont élire leurs représentants de la classe. C'est important. Alors, sur notre école, juste, moi, je vous précise que nous avons 3 CM2. On a fait un choix, c'est d'inscrire les 3 CM2 sous un seul groupe. Dans chaque CM2, les élèves choisissent 3 candidats, ce qui représente 9 candidats. Et ces 9 finalistes locaux, il va en sortir un qui sera le représentant au niveau du département. Le jury que nous constituons comprend des personnalités politiques, alors parce que nous, la mairie est très impliquée, nous prête les salles, vraiment nous facilite la vie. Donc, il y a le maire, ses adjointes à l'éducation et à la culture, des personnalités du livre, on a la chance d'avoir un prix Goncourt, d'avoir d'autres écrivains dans la commune, donc on les sollicite, les enfants de CM2 et les familles, selon le contexte sanitaire, qui assistent à cette finale. Après avoir choisi l'ambassadeur, nous continuons d'entraîner, de coacher d'abord notre ambassadeur, qui va aussi se positionner en tuteur dans les ateliers. On sait très bien que le tuteur, en principe, recueille beaucoup plus de bénéfices que le tutoré, mais tout le monde est gagnant. Et notre travail de lecture et de partage continue dans la classe, donc sur les 2 autres périodes, avec le suivi des autres étapes du jeu, mais aussi avec les classes des autres cycles, c'est-à-dire que les élèves de CM2 se mettent à disposition des plus jeunes pour leur faire la lecture à voix haute. Et là, toutes les compétences qu'on a pu élaborer en classe sur les 3 premières périodes vont se renforcer sur les 2 dernières, puisqu'ils vont devoir choisir un ouvrage en fonction de l'auditoire qu'ils ont. Donc, vraiment, c'est une affaire de classe, d'école. Ça crée une cohésion immense. Ça a un impact sur le climat scolaire,
qu'on mesure chaque année. Donc voilà, je fais partie des personnes enthousiastes qui renouvellent l'inscription toutes les années, vous l'aurez compris. Voilà, j'ai terminé mon intervention et mon témoignage. J'ai vu qu'il y avait une question. Oui, il y a deux questions même, je crois, qui sont arrivées. Combien de temps d'atelier par jour, Élodie, vous proposez ? Oui, alors, on accueille, nous, les élèves en classe à 2h-10. Et je propose le quart d'heure de lecture qui est un peu plus qu'un quart d'heure. Donc, ça me fait presque une demi-heure chaque début d'après-midi sur les ateliers. Et lors des ateliers, les élèves travaillent... Ah, j'ai en fait, on vous demande si lors des ateliers, les élèves travaillent sur le texte qu'ils choisissent ou sur les textes que vous choisissez. Mais il me semble que vous avez un petit peu répondu. J'ai un petit peu répondu, voilà. Soit ils proposent leur texte. Les élèves qui sont le plus sec, le plus en difficulté, je leur propose des textes moi-même. J'essaie toujours de leur proposer le support livre. Mais si ce n'est pas possible, ben, je vais le retaper et proposer le texte parce que quelquefois, ils sont impressionnés aussi quand il y a de grosses difficultés de lecture. Donc, toutes les portes sont bonnes à ouvrir pour les faire rentrer dans la lecture, surtout quand ils ont des difficultés. OK. Et il y a une dernière question. Pouvez-vous préciser comment s'organisent les lectures offertes aux autres classes en P4 et P5 ? Alors, en conseil des maîtres, nous nous mettons d'accord avec les enseignants de cycle 2 de l'école pour des groupes de lecture. Et nous, on fait des groupes de trois élèves qui vont devoir aller faire la lecture, soit des CP, soit des CE1, soit des CE2. Et là, se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va leur lire ? Du coup, ces élèves-là vont se mettre en relation avec l'enseignant, proposer des lectures, mesurer le texte, est-ce que c'est à leur portée ou pas ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'écriture ou pas ? Comment je vais leur montrer les images ? Combien de temps ça doit durer ? Et ça donne lieu à tout un travail qu'on fait alors sur du coup les temps de lecture aussi, puisque nous on les a harmonisés au même moment sur toute l'école, hein, sur le quart d'heure de lecture. Ça donne lieu à ces échanges et ils se positionnent vraiment en tant que lecteurs à voix haute et partagent. Et l'année dernière, on était dans un contexte particulier, on n'avait pas la possibilité de brasser les élèves de certaines classes à cause des groupes Covid là. On a fonctionné par visio entre classes, c'était assez marrant. Et il y a les tout petits de CP qui, eux, ont eu envie d'écrire des textes et de venir nous lire leurs propres textes. Alors, c'est génial la portée que ça a eue. Comme on a eu la chance de recevoir l'autrice du livre choisi par la finaliste en plus, ça a ajouté de l'eau au moulin et on est passé du partage de lecture à partage de textes qu'on a soi-même écrit. Une portée magnifique. On s'est régalé. Merci Élodie. Il y a une autre question qui arrive pour terminer avant de laisser place à la première intervention de Frédéric Bruyat. Serait-il possible d'avoir un récapitulatif de tous vos petits jeux, comme la lecture stop, la lecture volée, etc. ? Donc si jamais Élodie, vous avez le temps de me faire un petit mail pour que j'inclue ça dans les ressources pédagogiques que j'enverrai demain à tous les participants, je pense que ce sera bienvenu pour tout le monde. Il y a des activités aussi dont on parlera tout à l'heure parmi nos ressources pédagogiques et notamment nos fiches pédagogiques qui vous seront partagées demain pour information. Merci Élodie pour ce témoignage précieux qui permet aux enseignants d'avoir des idées, de picorer des propositions faites. Chacun reste évidemment libre et autonome dans la manière dont il souhaite préparer le jeu et l'organiser avec son groupe selon le rythme, les ateliers à proposer, etc. Mais je pense que ça donne à tout le monde un bon aperçu de ce qu'il est possible de faire par ailleurs. Il y a une dernière question avant que je laisse la parole à Frédéric. Les élèves peuvent-ils choisir un roman qu'ils ont chez eux ? Oui, on va en parler juste après quand je vous parlerai du calendrier du jeu. Je vais insister sur le choix de lecture. En tout cas, Élodie, il y a beaucoup de remerciements pour votre intervention, donc merci à vous. Sans plus attendre, je demande à Frédéric de remettre sa vidéo et son micro. Frédéric, je vais te laisser la parole. Oui. La première intervention sur l'oralisation. Première intervention de Frédéric Bouillas. Il y en aura trois cet après-midi, comme vous le savez. Donc, je vous laisse entre les très bonnes mains de Frédéric. Rebonjour à tous pour ceux qui nous ont rejoints.
Alors, ben, je viens d'écouter Elodie avec beaucoup d'intérêt et je suis très admirative du travail qu'elle mène dans son école. Moi, je vais me situer un petit peu, je dirais, en complément de ce qu'elle a un peu dit, c'est-à-dire que elle vous a donné elle va vous donner des exercices, des choses que vous pouvez faire avec les enfants. Moi, pour cette première intervention, j'ai envie de vous rappeler un certain nombre de choses qui participent à l'émerveillement qu'est la pratique de la lecture à voix haute. Moi, j'aime bien quand je travaille avec des enfants, puisque ça m'arrive quand même assez régulièrement, même si mon travail de lectrice publique me conduit à lire beaucoup pour les adultes et dans des contextes qui ne sont pas forcément l'école, hein, mais plutôt des festivals, des théâtres et des bibliothèques d'ailleurs aussi. Mais quand je travaille avec les enfants, la première séance, elle est toujours consacrée à un petit voyage comme ça dans le temps et dans l'espace. Je rappelle aux enfants des choses qui font que on est une espèce tout à fait particulière. Nous sommes, dirait Francis Ponge, nous sommes des animaux à parole. Et ça, c'est une chose que j'aime bien rappeler. Alors, j'explique aux enfants tout simplement que, effectivement, on n'a pas toujours été debout sur nos jambes, mais qu'il fut un temps très, très lointain où nous étions à quatre pattes. Et c'est cette station debout, hein, ce moment incroyable où les hommes se sont mis debout et ils ont pu, de ce fait, libérer les membres supérieurs. Et donc, c'est le développement de nos mains, en fait, qui ont permis à notre cerveau de se développer, de développer des capacités cognitives tout à fait particulières et qui font que nous avons pu commencer à fabriquer des sons complexes, aussi parce que l'appareil phonatoire a pu lui aussi se développer par cette station debout. Alors, tout ça est merveilleusement raconté dans un ouvrage d'un préhistorien dont à la fin de la journée, nous vous donnerons toutes les références avec Laura, qui s'appelle André Leroy-Gourhan et qui a écrit un livre, qui m'a complètement fascinée, qui s'appelle « Du geste à la parole ». Donc, c'est vraiment rappeler aux enfants que cette verticalité qu'on retrouve dans la nature avec, par exemple, les arbres, hein, cette verticalité, elle est à l'origine de la parole. Alors moi, souvent, quand je fais un échauffement vocal avec les enfants, je leur demande de se mettre debout, tout simplement, d'essayer de sentir leur ancrage dans le sol, sentir qu'ils ont des racines profondes, hein, sentir le contact avec le sol, sentir le poids de son corps, rappeler que nous reposons sur le sol et que le sol est accueillant, que la terre est accueillante. Si nous sommes des arbres, il y a aussi cette idée de nous nous situons entre la terre et le ciel. Donc il y a aussi cette idée de la colonne vertébrale comme ça qui il faut essayer de la sentir comme ça. Hein, elle part du coccyx puis elle va comme ça jusqu'au sommet du crâne. Essayer de sentir l'allongement de la colonne pour petit à petit aussi développer un port de tête qui soit sentir qu'on quand on est debout, on peut être extrêmement beau. Hein, essayer de retrouver aussi cette tenue, la beauté des arbres, hein, c'est aussi ça. Et puis, la position aussi des épaules, les épaules basses, sentir que ses bras, c'est l'envergure de l'arbre. On parle aussi de l'envergure de l'oiseau. Essayer vraiment de développer son imaginaire sur son corps, dans l'espace, et cette idée de verticalité, puisque les enfants vont lire debout. Voilà. Et retrouver le plaisir d'être debout. Parce que c'est vrai que des fois, les enfants, d'être debout, ça leur casse un peu les pieds. Ils ont envie d'être plutôt assis. Et là, de se dire, quand on est debout, on peut faire des tas de choses, et notamment puiser de l'énergie dans le sol. Donc voilà, ça, c'est pour la première chose sur ce recontact avec ce miracle, ce grand miracle qui est celui de pouvoir parler. Ensuite, j'aime bien dire aux enfants aussi qu'il y a cette histoire du fait que nous nous sommes mis debout. Et puis après, petit à petit, les hommes au néolithique ont commencé à se sédentariser. Et puis petit à petit, ils ont eu envie d'échanger. Et c'est cet échange, cette envie d'échanger des matières premières, des objets manufacturés, etc., qui ont fait que les hommes ont eu envie d'écrire. Alors sur des tablettes d'argile, il y a toute l'histoire de l'écriture. Avec ce passage qui a pris évidemment beaucoup de temps, entre le dessin, le pictogramme, et puis petit à petit, ce pictogramme s'est devenu de plus en plus abstrait et on en est arrivé à la lettre et à l'alphabet. Alors là aussi, livre absolument génial de Marc-Alain Wachnin,
dont nous vous donnerons les références tout à l'heure, qui s'appelle « Une histoire de l'alphabet, les mystères de l'alphabet ». Et il y a une version très agréable à lire et qui s'appelle « L'alphabet expliqué aux enfants » et qui est publiée au Seuil et dans lequel vous pourrez puiser des tas de choses. Parce que ça aussi, c'est toujours chouette de se dire « Ah tiens, ça ne vient pas de nulle part cet alphabet ». Ne serait-ce que le mot « alphabet », puisque « alphabet » c'est « aleph hein, » et « bet ». Alpha, bêta, hein, c'est les deux premières lettres en fait qui nous viennent du proto-sinaïque et puis petit à petit évidemment c'est devenu les lettres grecques. Hein. Mais tout ça a pris du temps et chaque lettre a une signification qui lui est propre. Donc ça aussi c'est chouette de se dire que Aleph c'est le taureau hein, et puis bête c'est la maison. Donc on rentre comme ça dans l'alphabet avec beaucoup d'énergie et puis cette énergie brutale, hein, celle du taureau, eh bien, elle se canalise très vite avec le B, avec la maison qui va comme ça commencer à ordonner les choses. Et après, on peut comme ça faire un petit voyage dans l'alphabet et se rendre compte qu'un mot, ben, c'est une somme de lettres qui s'articulent les unes avec les autres. Et ça, ça change tout. Parce qu'au moment d'oraliser, on sent les sons véritablement gros dans sa bouche parce que tout d'un coup, on comprend qu'il faut les former, ces sons. Donc il y a deux familles de lettres. Moi je rappelle toujours aux enfants les voyelles et les consonnes, ça ils le savent, mais ils n'ont pas toujours fait attention au sens de voyelle hein. Dans voyelle il y a la voix et puis il y a aussi les ailes hein, puisque les voyelles sont les lettres où on peut entretenir la vibration du son. Donc les voyelles c'est ce qui va permettre aux mots d'être sonores, colorés, vibrants hein, c'est des petits soleils dans les mots. Et ces voyelles, c'est toujours très chouette de faire un petit travail vocal autour d'elles parce que c'est avec elles qu'on va pouvoir faire des passages de registres. On va pouvoir passer du grave, médium, aigu en faisant circuler les lettres, hein, les voyelles, parce qu'avec les consonnes, on ne peut pas faire ça. Alors les voyelles, quand on travaille sa voix, ce n'est pas dans l'ordre habituel, c'est-à-dire ce n'est pas A, E, I, O, U, Y, hein, c'est plutôt d'abord le A. Effectivement, c'est une voyelle très ouverte. On va aller de la voyelle la plus ouverte à la voyelle la plus fermée. On va commencer avec le A, qui va être comme la base et qui va nous permettre de sentir qu'il faut faire de la place dans la bouche quand on parle. Il faut essayer d'ouvrir la bouche, libérer aussi hein, là, tout le gosier, là, hein, sentir la colonne d'air. Enfin, il y a des tas de choses à faire. Hein. Mais déjà, prendre conscience de ça. Et puis, ces voyelles, après, il y a le O, qui est comme un A, mais c'est juste la forme d'élève qui bouge. Et puis après, il y a le E, mais ce E, on va le travailler avec les accents, donc avec le E d'abord, un E accent grave, ensuite le E accent aigu, et ensuite le I, on va petit à petit sentir hein, le nez, on va sentir qu'il y a des résonances aussi dans le nez, et puis on va terminer avec le U, avec une toute petite bouche, et puis à l'intérieur, essayer de sentir qu'on peut faire de la place. Donc voilà, ce petit voyage dans les lettres A, O, E, E, I, U. Voilà. Et le Y, on s'en fiche un peu, hein, c'est une sorte de semi-consonne, en fait. Ou semi-voyelle, enfin, ça dépend, les linguistes l'appellent. Enfin, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, le Y ne nous intéresse pas tellement pour le travail vocal à proprement parler. Donc, ces voyelles, elles sont très importantes. Et alors moi, j'aime bien toujours demander aux enfants une petite devinette. Je leur dis, quel est le mot français où il y a presque toutes les voyelles? Et en plus, il se trouve que c'est un animal dont l'élément est l'air, hein, comme la parole. Eh bien, c'est l'oiseau. Et en plus, le S du milieu, c'est une consonne où vous voyez, il y a le son Z, donc il y a de l'air qui passe aussi. Donc, notre mot pour parler des oiseaux est particulièrement bien choisi dans notre langue. Ensuite, les consonnes. Qu'est-ce que vous entendez dans consonne? On entend con, alors ça les fait toujours marrer, mais con, ça vient du latin cum, qui veut dire avec, et sonne. Donc, les consonnes, ce sont les lettres qui sonnent avec les voyelles. Alors, on peut s'amuser aussi à faire un petit voyage avec les consonnes. Hein, on fait circuler les consonnes et on se rend compte que y a plein de parties du corps qui sont sollicitées. Le B, on peut faire un travail sur les lèvres. Le D, on fait un travail, hein, c'est les dentales avec les dents. Le T, le P, le S, sentir sa langue. Le M, sentir la bouche et puis les fréquences nasales. Le N, faire un petit voyage comme ça dans les consonnes et puis petit à petit s'amuser chacun à choisir un mot, essayer de sentir comment
on peut le sentir gros dans sa bouche, ce mot, et comment ça peut être presque en trois dimensions, quoi, comme un objet sonore, en fait, qui sort de la bouche, et le présenter aux autres. Moi, je m'amuse toujours avec ça, et puis comme ça, les enfants aussi se rendent compte qu'ils connaissent plein de mots, et des mots très savoureux, qui sont très sonores, et qu'ils ont beaucoup de plaisir à faire exister comme ça, à faire exister, puis à présenter aux autres. Et puis après, on peut s'amuser à dire, alors, moi, je vais faire entendre que ma maison, elle est toute petite. Ou au contraire, je vais me dire, ça, c'est une grande maison. Comment, avec le son, on peut faire exister la chose qu'on imagine dans sa tête? Voilà. Donc ça, c'était pour l'écriture. Ensuite, l'écriture, ce que je disais, la parole, l'écriture. Et puis, évidemment, on va arriver à la lecture. Alors, la lecture, il y a aussi un livre absolument génial là-dessus, qui s'appelle donc « Une histoire de la lecture ». De l'écrivain Alberto Manguel, qui est un homme d'origine, il est argentin au départ, il habite en France depuis longtemps, et il a été très jeune, il n'avait que 16 ans, il était à Buenos Aires, et il a été le lecteur personnel à voix haute de l'écrivain Borges, un grand écrivain argentin qui a perdu la vue, qui est devenu aveugle, et donc à la fin de sa vie, il avait besoin de quelqu'un pour lui faire la lecture, et il se trouve que Alberto Manguel a été son lecteur personnel. C'était une très belle histoire. Il vendait des livres dans une librairie où Borges venait acheter ses livres, et puis c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Donc là aussi, c'est une belle histoire entre ces deux hommes autour de la lecture à voix haute, justement. Alors, dans le livre d'Alberto Manguel, vous apprendrez des tas de choses que vous pouvez raconter aux enfants. Par exemple, que les mots et les textes, ils n'ont pas toujours été écrits comme on les voit aujourd'hui. Il n'y avait pas de majuscules à l'époque. Donc, il fut un temps où les mots étaient écrits, c'était comme des grands colliers de lettres. Et la majuscule était indiquée d'une certaine façon, mais parce que la lettre était écrite en rouge. Alors, c'est comme ça qu'on savait que c'était le début d'une nouvelle phrase. La ponctuation aussi, c'est une longue histoire, la ponctuation. Ça a été une aventure, la ponctuation, les virgules, les points, tout ça. Enfin, tout ça, c'est marrant à raconter aux enfants, de voir que les choses, elles ont une histoire, et que nous sommes le fruit de cette histoire. Et que les livres qu'on lit, c'est le fruit d'une longue histoire. Évidemment, l'histoire de l'imprimerie. Enfin, il y a tout ce petit voyage dans le temps que moi, j'aime bien faire, parce que ça donne de l'épaisseur aussi à ce qu'on fait. Et puis, oui, encore une petite anecdote que je trouve très chouette, c'est que raconte Manguel dans son livre. C'est Charles Dickens, qui était un lecteur public absolument extraordinaire. Et chaque fois qu'il finissait ses romans, il en faisait des lectures publiques au théâtre. Je me suis procuré il y a quelques années un ticket d'entrée. J'étais très, très contente d'avoir ça, un ticket d'entrée pour une lecture de Charles Dickens, donc c'était quand même assez extraordinaire. Donc c'était un grand lecteur, et peut-être même, on raconte qu'il en est mort d'épuisement, parce que c'est vrai que la lecture à voix haute, pour la pratiquer quotidiennement et parfois pour des séances qui sont assez longues, ça demande beaucoup d'énergie. Alors donc, la parole, l'écriture, la lecture, et puis, une dernière dimension tout à fait essentielle aussi, qui fait que nous sommes une espèce parlante, parolière, mais aussi une espèce tout à fait particulière, puisqu'on se raconte des histoires depuis la nuit des temps. Et c'est cette envie de partager des histoires, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui nous font peur, toute cette histoire de l'humanité, elle est très très bien racontée, là aussi, par une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nancy Houston, et qui a écrit un petit essai tout à fait génial qui s'appelle L'espèce fabulatrice, fabulatrice, fabula, la fable. Et Nancy Houston revient sur ce besoin que nous avons, nous, êtres humains, de nous raconter des histoires, d'avoir des histoires en commun, de faire société et communauté, parce qu'on a des histoires qu'on partage. Et de rappeler ça aux enfants, parce que je crois que dans les petits champions, c'est une dimension très importante, cette dimension du collectif, qui fait que c'est pas un concours, mais c'est vraiment un jeu aussi. On est vraiment sur cette histoire du plaisir de partager les textes qu'on aime. Donc ça, c'est vraiment une dimension très très importante des petits champions, qui fait que je suis particulièrement attachée à cette aventure des petits champions de la lecture.
Alors, pour le temps qui nous reste, je regarde ma montre, il nous reste 4 minutes. Je vais vous proposer de faire une petite exploration sur un texte qui s'appelle « J'aime le vent ». Alors, si Laura, tu peux nous mettre à l'écran ce texte. Alors, je vous ai sélectionné un poème parce que je trouve qu'au niveau de ce que je viens de vous raconter sur les... sur l'alphabet, sur les sons, sur l'oralité, hein. C'est intéressant. Alors, vous voyez, le sujet de ce texte, c'est le vent, et puis c'est l'amour du vent. Alors, Jacques Rebautier a choisi pour ça des lettres, hein, qui vont dans ce sens, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants vont comprendre qu'un bon écrivain, c'est quelqu'un qui va savoir allier le fond et la forme. Alors évidemment j'ai choisi de la poésie sachant que pour les petits champions c'est pas ça que les enfants vont choisir, mais en tout cas pour faire un travail vocal la poésie peut être tout à fait intéressante. Alors si on prend le premier vers et que je m'amuse à regarder que les consonnes, hein, c'est marrant ça d'être capable de dans sa tête de dissocier les consonnes et les voyelles. Alors vous voyez qu'il y a un J, un M, un L et un V, et donc ce sont des consonnes où il y a de l'air qui passe. J, M, L, V. Il y a de l'air, comme le vent. Alors moi, je m'amuse à essayer de dire, ah, tiens, comment on peut relier ces consonnes entre elles en essayant de garder de l'air. C'est-à-dire essayer, hein, c'est ce qu'on travaille, c'est la tenue du souffle. Hein. Donc ça va vous paraître un peu marrant, mais c'est vraiment J, M, L, V. Essayer de relier les consonnes entre elles avec de l'air. Ce que vont avoir comme rôle les voyelles ensuite. Ensuite, je m'amuse à regarder les voyelles. A et I, en français, ça fait E. Ensuite, il y a E, et ensuite, il y a EN. Hein, on va dire que EN, c'est un son apparenté aux voyelles. Donc, on a E, E, EN. J'aime le vent. Et ensuite, on s'amuse à relier consonnes et voyelles et à se rendre compte que tout d'un coup, les mots, ils sont gros de son. Jacques Rebautier a une expression que j'aime beaucoup. Il dit, dans un premier temps, quand on travaille le son, on a le son chassant le sens. C'est-à-dire que le sens, on ne s'en préoccupe pas pour le moment. Il est là de toute façon et les humains sont obsédés par le sens. Donc, travaillons le son d'abord pour essayer de voir si ça nous donne des idées et ça nous fait sentir le mouvement de la phrase. J'aime le vent. Vous voyez, si tout d'un coup, on s'appuie sur cette première... Ce premier son du J, ça donne l'impulsion. J'aime le vent, j'aime le vent, j'aime le vent qui vient, j'aime le vent qui vente, j'aime le vent qui fait du vent, j'aime le vent qui vient, qui va, qui vient, qui va, qui va, qui vient, j'aime le vent qui vient, ça fait du bien. Vous voyez, tout d'un coup, il y a un B qui arrive, ça fait du bien. Et ce B, si on le prononce avec une certaine gourmandise, eh bien on va réussir à faire sentir le bonheur qu'il y a à sentir le vent. Hein, tout simplement avec le son. Et puis on continue. J'aime le vent qui nous évente. J'aime le vent qui nous fait du bien. Ça fait du bien, le vent. Ça fait du soutien. Vous voyez, il y a le S et le T. Ça fait du soutien. Ça soutient. J'aime le vent qui soutient. Et on sent cette idée d'être soutenu par le vent dès lors qu'on s'accroche aussi au son, le S, le T. J'aime le vent qui vient. J'aime le vent qui vient. J'aime le vent qui vient. J'aime le vent. J'aime le vent. J'aime le vent. J'aime le vent qui nous tient. J'aime le vent qui rien. Sa main tient. J'aime le rien. Ça fait du bien. C'est bon. C'est bien. Ça fait rien. Bon vent. Et tout d'un coup, on a ce point d'exclamation qui arrive, hein, et qui, voilà, qui est une sorte de c'est comme une libération. Hein. Donc tout d'un coup, la ponctuation, c'est intéressant aussi de se poser la question. Quel est le statut de ce point d'exclamation à ce moment-là? Et on a comme ça un premier parcours. Hein, petit à petit, on va sentir le mouvement de la phrase, le mouvement du vent. On va sentir que quand on parle, on crée des courants d'air, que dans la pièce dans laquelle on se trouve, où on est en train de travailler, ben, il y a déjà de l'air. Et c'est cet air qui va se mettre en vibration. Qui, hein, quand on dit « je suis sur la même longueur d'onde hein, », ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est l'air... C'est cette qualité de vibration de l'air qui va nous relier les uns avec les autres, et ce, grâce au texte des auteurs. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, et puis j'espère que vous aurez envie de travailler ce texte de Jacques Rebautier. Qui est... Alors, peut-être juste une petite indication,
Hein. Quand il y a des petits tirets tout seul, quand vous l'aurez le texte sans moi, ben c'est pour chanter. On entretient la voyelle, ça fait « c'est tout ». Et on se rend compte que chanter, c'est juste entretenir la vibration de la voyelle, tout simplement. C'est penser un petit peu plus loin. Voilà, je m'arrête là. Merci Frédéric pour cette première intervention. Il y a une question qui est arrivée. Comment travailler le rythme uniquement par le biais des sons? Le rythme, en fait, le rythme, c'est vraiment, il faut que les enfants comprennent que c'est comme quand on court. C'est-à-dire que des fois, on court un 100 mètres, des fois, on court un marathon. Et le rythme est différent. C'est aussi du souffle, hein, c'est de la respiration. Donc, effectivement, en s'attachant au son, on va se rendre compte qu'il y a des consonnes où tout d'un coup, si on les fait claquer, ça va nous faire rebondir ou pas. Donc, le travail sur les lettres est un travail que vous pouvez explorer énormément. Hein, on l'a vu avec le texte sur le vent, mais j'aime le vent, j'aime le vent, j'aime le vent qui vient, j'aime le vent qui vente, j'aime le vent. On peut faire plein de trucs. C'est très, très, très ouvert. Il faut vraiment improviser, s'amuser, se dire, allez, on lance les choses, on parle aux oiseaux, on essaye de développer l'imaginaire des enfants quand ils lisent. Voilà. Merci Frédéric d'avoir écouté. Il y a de très, très jolis commentaires déjà, une intervention passionnante, des remerciements, une très belle entrée dans la lecture à voix haute, et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup pour cette très belle entrée en matière et on te retrouvera tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises, juste après la petite pause qu'on va vous proposer d'ici 15 minutes pour ton intervention sur l'exploration cette fois. Très bien, à tout à l'heure. À tout de suite. Alors, pour ma part, je vais repartager mon écran. Hop. Et on va désormais, avant une pause qui va vous être proposée d'ici peu, pour souffler un petit peu dans cet après-midi riche en informations et en interventions, voilà, je vais vous présenter le calendrier de cette nouvelle édition et puis je vais rentrer un petit peu dans les détails pratiques de chacune des étapes que vous voyez s'afficher ici à l'écran. Donc, l'étape du premier tour, avec des inscriptions qui sont ouvertes, comme je vous le disais, depuis le début du mois de septembre et qui le resteront jusqu'au début du mois de janvier, le 7 janvier 2022 précisément, avec la nécessité de nous communiquer le nom du petit champion du premier tour avant donc le 4 février 2022, date qui s'affiche sur cette présentation. Alors, le premier tour, Élodie en a parlé très, très bien sur à la fois le rythme, les ateliers qui peuvent être proposés. Nous, on reviendra tout à l'heure sur les ressources pédagogiques qu'on vous propose aussi pour occuper toute cette période du premier tour qui embrasse la plus grosse partie de l'année pour ce qui concerne l'opération. On va simplement là vous parler du choix du livre, puisque c'est un point important qui vous concerne dès le départ, et puis aussi d'autres événements qui ponctuent toute cette participation, notamment les nuits de la lecture. Donc, pour ce qui concerne le choix du livre, alors, il est libre durant toute la participation au jeu. En tout cas, il est 100% libre durant les trois premières étapes, donc locale, départementale et régionale. Les enfants peuvent choisir le livre qu'ils souhaitent parmi leur bibliothèque personnelle, la bibliothèque de l'école, la bibliothèque de proximité. Ils peuvent consulter, on en parlera à tout moment, nos suggestions de lecture qui sont disponibles sur le site internet pour pouvoir être orientés vers des textes avec des thématiques qui leur plaisent. En tout cas, il est important de laisser à chacun le libre choix de son livre. On lit mieux un texte si on l'aime. Et nous, on part du principe que pour encourager le plaisir de lire et le goût de la lecture, il est essentiel que chacun puisse choisir ce qu'il a envie de partager avec ses camarades puis avec le public dans un second temps. On exclut de la participation au jeu les textes de théâtre, de poésie et les documentaires. On encourage évidemment la lecture de romans jeunesse puisque voilà, ils sont totalement adaptés à cette participation avec la lecture d'un extrait qui doit durer 3 minutes. Alors 3 minutes, c'est la durée entre guillemets réglementaire. Pour participer. Mais voilà, on n'interrompt jamais un enfant pendant qu'il lit. Le but, c'est de respecter au maximum ce temps de lecture et puis d'avoir une certaine tolérance entre, par exemple, 2 minutes 45 et 3 minutes 15 pour permettre aux enfants de délivrer leur lecture sans être interrompus. Et donc, voilà, donc, ça fait aussi partie de l'exercice de respecter ce temps de lecture, mais en aucun cas,
ça ne rentre dans les critères de la grille d'évaluation des différents jurys sur les différentes étapes du jeu. En revanche, ça peut permettre de départager deux enfants. Ça a déjà été le cas. Un enfant qui avait fait une lecture de 4 minutes 30, une très belle lecture. Le jury était emballé par sa participation, mais en débat avec un autre enfant qui leur plaisait également dans son interprétation. Et cet enfant, ce second enfant, avait respecté le temps de lecture 3 minutes et quelques. Et donc, voilà, ils ont décidé à la fin de départager de cette manière. Voilà, donc ça fait aussi partie de l'exercice, ce temps de lecture, et donc ce choix de lecture qui reste libre sur toutes les étapes du jeu. Pour ce qui concerne la finale nationale, je vous expliquerai au moment où je viens en quatrième tour comment ça se déroule. Donc, cette première étape en classe, elle se déroule, comme on vous le disait avec Élodie, de la manière que vous souhaitez en termes de rythme, d'atelier proposé, de temps de lecture. On se rend compte, et Élodie l'a spécifié, que le quart d'heure lecture est vraiment un outil très adapté à la participation à l'opération qui vous permet, si vous le souhaitez, de travailler quotidiennement sur les petits champions de la lecture, avec soit des ateliers de lecture à voix haute, soit le fait de faire passer les enfants une fois qu'ils ont choisi leur texte et leur extrait, directement par cet intermédiaire en ayant 15 minutes ou peut-être 30, comme elle le dit, chaque jour pour travailler autour du projet. Je reviendrai sur les nuits de lecture dans une seconde. Voilà, vous dire aussi que nous sommes à votre disposition pendant toute la période des inscriptions pour répondre à toutes vos questions par mail ou par téléphone et vous permettre à tout moment donc d'avoir des informations sur la manière dont vous souhaitez vous organiser, des conseils, des recommandations. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour toute cette période de prise en main entre guillemets du jeu. Alors, les nuits de la lecture, elles se déroulent, vous le savez, au mois de janvier, le troisième week-end du mois de janvier, mais elles sont étendues finalement sur le reste de la semaine, donc du jeudi au dimanche, et elles vous permettent du coup de sortir du cadre de la classe pour aller à la bibliothèque de proximité ou dans une autre structure qui accueille des temps au moment des nuits de la lecture, des temps de lecture, pour organiser soit des lectures à voix haute avec vos élèves en sortant du cadre de l'école, soit organiser votre finale du premier tour, votre finale de la classe. Cette finale de la classe, comme le disait Élodie, elle peut être organisée au sein de l'école avec le choix du petit champion de l'école dans une salle municipale, mais elle peut aussi avoir lieu donc, à l'occasion de ces nuits de la lecture ou bien encore dans l'école, voire même au sein même de la classe. Le but de cette finale du premier tour, c'est de choisir l'ambassadeur de la classe, celui qui va les représenter, qui va représenter les élèves lors des étapes suivantes. On encourage, nous, de plus en plus, une participation active des élèves dans ce choix. On considère que l'aspect collectif de l'opération passe aussi par le fait de choisir ce petit champion tous ensemble. Et donc pour ça, je vous expliquerai tout à l'heure, on a mis en place parmi nos ressources pédagogiques une fiche dédiée au choix de l'ambassadeur de la classe avec une grille d'évaluation qui est adaptée aux élèves, qui découle de la grille d'évaluation mise à disposition pour les différents jurys et qui permet donc aux élèves de participer à ce choix du petit champion. Ça, c'est un point très important qu'on encourage aussi de plus en plus, ou bien avec des jurys mixtes dans lesquels aussi des adultes participent. Le lien avec la bibliothèque au sein des nuits de la lecture, il peut aussi se faire en dehors de ce temps-là. C'est-à-dire que les bibliothécaires vont jouer un rôle très important dans la prescription de lecture, au moment du choix de lecture. On a de plus en plus de bibliothèques qui s'associent aux classes et qui les accueillent sur un temps donné pour les aider dans le choix de lecture et que tous repartent avec le livre qu'ils ont choisi pour la participation au jeu et qu'ils puissent le garder jusqu'à la fin du premier tour. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la bibliothèque de proximité ou bien à nous envoyer un mail pour qu'on puisse essayer de faire le lien puisque on se rend compte que cet échange, il nourrit aussi énormément les élèves et la classe dans le cadre de la participation au jeu. Je crois n'avoir rien oublié pour la période du premier tour et je vois que de nombreuses questions arrivent. Je vais attendre d'avoir fini cette présentation totale du calendrier avant d'y répondre. Le deuxième tour, ce sont les finales départementales. Vous voyez donc les dates indiquées de début mars à mi-avril. Alors, depuis 2 ans, avec le contexte sanitaire, nous avons été contraints de réorganiser ces finales au format vidéo, donc en distanciel, ce qui nous a permis de maintenir l'opération, mais qui n'est évidemment pas
la solution optimale et idéale pour la participation au jeu. Donc, on espère beaucoup que l'évolution du contexte sanitaire permettra cette année de reprogrammer des finales départementales physiques, comme ça a toujours été le cas. Donc, des finales départementales que l'on commence à programmer actuellement, qui se déroulent donc sur ces périodes indiquées en dehors du temps scolaire, donc souvent des mercredis ou des samedis, dans des lieux tels que des bibliothèques, des centres culturels, des ateliers canopés également, des librairies aussi occasionnellement, des salles municipales. On a donc voilà, beaucoup de lieux qui nous accueillent volontairement. On les en remercie puisque je sais que certains nous écoutent cet après-midi. Et donc, on est en pleine organisation de cette période. On demande donc à ce que l'enfant qui a été choisi sur le premier tour puisse se rendre accompagné d'un représentant légal sur cette finale départementale. Et il va donc rencontrer tous les autres participants du département. Ils vont découvrir les lectures que chacun a choisies, s'écouter les uns les autres. Et donc, un jury qui aura été constitué par le lieu d'accueil, par la structure d'accueil, se réunira pour les écouter et délibérer afin de choisir le petit champion départemental qui se rendra en étape régionale. À cette occasion, nous offrons aux enfants un certain nombre de lots que l'on pourra vous préciser ultérieurement. Pour les finales régionales, qui se déroulent donc fin avril, début mai, cette troisième étape du jeu est historiquement organisée par vidéo, puisque comme vous le voyez, il n'y a qu'une semaine d'écart entre les deux étapes. Et surtout, il y a un souci d'éloignement géographique entre les départements qui composent une même région. Aujourd'hui, l'organisation du jeu n'était jusque-là pas en mesure de financièrement pouvoir prendre en compte tous ces déplacements, mais aussi en termes d'organisation interne, d'avoir suffisamment de personnes pour les organiser. J'en profite pour vous dire que les petits champions de lecture, ce sont deux personnes qui travaillent toute l'année. Donc, on met parfois un petit peu de temps à répondre à vos messages, mais on essaye toujours de le faire dans les 48 heures au maximum pour pouvoir vous apporter toutes les précisions utiles. Du coup, donc, cette période du troisième tour, elle se déroule par vidéo sur notre chaîne YouTube avec des jurys qui sont constitués par nos soins de professionnels de la lecture, de la culture, de l'éducation aussi, avec des auteurs jeunesse systématiquement qui font partie de ces jurys notamment, des comédiens, des bibliothécaires, des élus en fait à l'échelle régionale entre autres, et puis un certain nombre de nos partenaires. Donc, ce sont des jurys qu'on publie sur le site en toute transparence. Et donc, ils vont écouter ces vidéos et se réunir, si ce n'est pas en présentiel, c'est au moins en visio, pour délibérer et choisir ensemble le petit champion régional qui se rendra en étape nationale. Cette étape nationale, elle se déroule chaque année un mercredi fin juin sur la scène de la Comédie Française, de la salle Richelieu. C'est un moment unique pour les enfants, mais aussi pour chacun d'entre nous, avec toujours de belles émotions. C'est une véritable fête toute la journée. Les enfants sont accueillis l'ensemble de la journée, découvrent les espaces de la Comédie Française et retrouvent surtout l'auteur du livre qu'ils ont lu. Alors, à ce moment-là, je vais vous apporter quelques précisions sur donc, l'étape nationale, puisqu'au-delà de retrouver l'auteur du livre lu, ils l'ont rencontré au préalable pour un juin dans leur classe avec l'ensemble de leurs camarades. Nous organisons la rencontre et nous prenons en charge aussi la rémunération de l'auteur pour cette rencontre qui se déroule donc au mois de juin. Pour cela, il convient que l'auteur soit disponible pour se rendre à cette rencontre et à cette finale. On a donc décidé d'orienter un petit peu le choix des lectures sur ce temps de finale nationale. Donc, il s'agit chaque année pour les éditeurs de littérature jeunesse de nous envoyer l'ensemble de leurs propositions pour les 8-11 ans sur des thématiques très variées avec des ouvrages qui sont parus au cours des deux dernières années. Et en s'assurant que les auteurs soient évidemment vivants, puisque je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais il y a énormément d'auteurs qui sont lus sur les premières étapes du jeu qui ne sont malheureusement plus de ce monde, et puis des auteurs qui indiquent leur disponibilité au mois de juin. À partir de là, un comité de sélection se réunit, on en parlera au moment des ressources, et constitue une sélection de 40 ouvrages maximum qui sont proposés ensuite aux 14 finalistes régionaux. Donc, parmi cette liste de 40 ouvrages, les 14 finalistes régionaux doivent choisir chacun un livre différent pour la finale nationale, ce qui nous permet ensuite d'organiser en toute simplicité
la rencontre avec l'auteur qui a été prévenu en amont, donc dans la classe, et puis ses retrouvailles sur la scène de la Comédie française le 29 juin, donc cette année, le 29 juin 2022, pour la grande finale nationale. C'est vraiment un moment privilégié, unique, qui est une priorité pour nous, que l'on a maintenu lors du Covid, enfin lors du confinement et de la fermeture des écoles, malgré tout, en visio, et qu'on a réussi à refaire en présentiel en juin dernier. Voilà, je pense que Sandrine en parlera tout à l'heure mieux que moi, mais voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup d'émotions, aussi bien pour l'auteur que pour l'enseignant, je crois. Et puis pour les enfants, voilà, ça permet de donner une dimension très particulière à la fois à leur participation et à l'objet livre aussi en tant que tel. Voilà. Donc, pour la finale nationale, voilà les précisions que je voulais vous apporter. Je vais rapidement balayer les questions qui sont arrivées avant qu'on fasse une pause. Alors, donc non, les albums ne font pas partie des textes qui peuvent être lus. On considère que voilà, en CM1, CM2, les enfants peuvent se tourner vers des ouvrages de littérature, de romans, pardon, jeunesse. Donc, les albums, la poésie, le théâtre et les documentaires ne font pas partie, ainsi que la bande dessinée. Alors, je vois qu'il y a eu un problème sur le partage d'écran. Sachez qu'à tout moment, qu'on vous enverra demain ou vendredi au plus tard, l'ensemble des ressources et donc cette présentation. Donc, vous pourrez la découvrir par ailleurs. Alors, les enfants d'un même groupe doivent-ils tous choisir un roman différent ou peuvent-ils arriver que les enfants choisissent le même roman ? Il n'y a aucun problème pour que des enfants dans une classe, au premier tour, choisissent le même livre. Il faut simplement s'assurer que ce choix, ce soit bien le leur. Après, ils peuvent choisir le même livre, mais finalement, pas le même extrait au sein de ce livre. Donc, ça fonctionne aussi très bien. Le choix d'extrait est aussi, j'en ai pas parlé, un moment très important, parce qu'il faut choisir un extrait pertinent qui puisse être compris par tous, et notamment par tous ceux qui n'ont pas lu le livre. Donc, évidemment, chaque enfant recontextualise rapidement sa lecture avant de démarrer, ce qui ne compte pas dans les 3 minutes de temps de lecture. Mais le choix de l'extrait est aussi très important pour que la lecture à voix haute fonctionne et qu'elle suscite aussi un certain intérêt chez les membres du jury. Alors, comment est financé le déplacement des champions à la finale départementale ? Il n'est pas financé. Les petits champions doivent se rendre à la finale départementale par leurs propres moyens. En revanche, voilà, on constate que généralement, on arrive à faire une programmation de finale départementale qui permet à chacun de ne pas avoir un temps de parcours trop important. Je précise notamment que parfois, il y a plusieurs finales départementales organisées sur un même département s'il y a un nombre de participants trop important. Et donc, dans ces cas-là, on fait une répartition géographique la plus pertinente possible pour permettre à chacun d'avoir un temps de parcours le plus court. Est-ce que l'enfant peut être accompagné par l'enseignant en plus du représentant légal ? Oui, tout à fait. Cela dépend aussi de la capacité d'accueil du lieu qui organise cette finale départementale. Donc, on vous précise tout ça généralement au mois de février, une fois que vous avez renseigné le nom du petit champion de la classe. Le texte reste-t-il le même pour toutes les étapes ? Alors, pour les étapes du premier, deuxième et troisième tour, il peut rester le même. Des élèves choisissent de changer entre le premier tour et la finale départementale. Ils peuvent le faire également au sein du même livre ou en changeant complètement de livre. Donc, oui, le texte peut rester le même en tout cas. Et puis, pour l'étape nationale, le déplacement est-il aux frais des familles ? Non. En revanche, pour l'étape nationale, on prend en charge le déplacement des enfants et des auteurs pour la finale nationale. Et on prend ensuite en charge le déplacement des auteurs également, comme je le disais, pour les rencontres en classe. Quand je dis prise en charge pour l'étape nationale, c'est un enfant, enfin c'est l'enfant finaliste avec un parent qui est pris en charge. Proposerez-vous toujours un tirage au sort pour participer en tant que public à la finale nationale ? Oui, il sera proposé fin février de mémoire. Donc, vous pourrez participer, on vous enverra une petite note au moment où le tirage au sort sera ouvert. Combien de temps pour contextualiser le roman ? Alors ça, vraiment, c'est libre. En tout cas, voilà, que ça ne dure pas non plus une minute, mais peut-être que l'enfant peut simplement se présenter et puis en quelques secondes faire l'exercice de résumer le passage, en tout cas, où il en est dans la lecture quand le passage de la lecture commence. En tout cas, ça ne compte pas dans le temps de lecture. C'est bien 3 minutes de temps de lecture. Alors, il y a plein de messages qui arrivent. Ensuite, on va faire une pause. Pour la finale, l'enseignant n'est pas financé.
Alors, ça dépend. Si c'est lui qui accompagne pour la finale nationale le petit champion, il l'est, puisqu'on prend en charge l'enfant et une personne qui l'accompagne. En revanche, si c'est le parent qui l'accompagne, en effet, l'enseignant n'est normalement pas financé, mais on peut toujours voir ce qu'on est en mesure de faire au cas par cas. Alors, ils m'ont dit qu'il est important d'informer les parents des élèves participants au préalable pour les déplacements dans les départements. Oui, tout à fait, vous pouvez les en informer. Après, depuis 10 ans, on n'a jamais eu de cas de parents qui ne voulaient pas les accompagner. S'ils n'étaient pas disponibles pour le faire, l'enseignant se proposait de le faire. Et en général, voilà, ils sont très fiers d'accompagner leur enfant sur cette participation. Et puis pour finir, sur les finales locales au sein de l'école, où est-ce que la finale locale englobe toutes les écoles d'une même ville ou d'une même circonscription? Non, c'est bien au sein de l'école. On les a appelées finales locales, mais c'est bien au sein de l'école. Voilà, je crois que j'ai oublié aucune question. Pendant la pause, je vais rebalayer pour voir si je n'ai rien oublié. En tout cas, je vous propose qu'on fasse une petite pause de 5 minutes et qu'on se retrouve donc à 15h30 pour la suite de cette présentation avec la seconde intervention de Frédéric Bruyas sur l'exploration. Voilà, à tout de suite. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours et que vous me voyez également. On va redémarrer suite à cette petite pause de 5 minutes. Juste avant de confier la parole de nouveau à Frédéric Bruyas, répondre à une dernière question. Un seul champion par école, donc si plusieurs classes? Idéalement, oui, notamment, puisque je crois, Charlotte, que j'ai oublié de répondre à votre question tout à l'heure. Vous avez 5 classes participantes. Donc, puisqu'en moyenne, il y a 15 petits champions issus de 15 classes sur une finale départementale. En avoir 5 de la même école crée par expérience toujours un petit peu d'incompréhension de la part des parents qui accompagnent. Donc on considère qu'en effet un seul champion par école, s'il y a plusieurs classes qui participent pour chaque niveau, c'est préférable. Merci à vous pour cette question d'ailleurs très pertinente au regard du règlement adapté cette année. Alors Frédéric, si tu m'entends, je veux bien que tu actives ta caméra et ton micro. Oui. Et je te confie la parole pour ta seconde intervention sur l'exploration. À tout de suite. Alors pour cette deuxième, sur cette deuxième intervention de ma part, j'avais envie de rentrer évidemment plus avant dans le travail sur le texte. Alors, il y a deux dimensions qui me paraissent absolument incontournables, hein, qui sont assez évidentes d'ailleurs, à savoir qu'il y a un imaginaire dans un texte, un imaginaire tout à fait particulier, et il y a la manière, évidemment, d'écrire, c'est-à-dire le style. Alors, on a donc ces deux dimensions, développer l'imaginaire véhiculé par le texte, et essayer d'avoir une vision très claire pour soi des choses, hein, comme disait Beckett, mal vu, mal dit. Hein. Donc, il faut essayer vraiment de visualiser, d'entendre. Moi, des fois, je m'amuse même avec certains enfants, à faire dessiner des choses.
dessiner le texte, essayer de voir véritablement si les images mentales sont, sont importantes, hein, si, s'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la tête de l'enfant avec le texte. Et puis, évidemment, le comment, c'est-à-dire le style. Hein. Alors là, je vous renvoie à une phrase célèbre de Marcel Proust qui disait que les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Alors c'est ça, c'est-à-dire que le texte est écrit en français, ou ça, des fois c'est une traduction, hein, mais il se trouve que c'est toujours quand même en français, et que cette langue française, eh bien, elle est utilisée d'une manière parfaitement originale, et c'est cette originalité-là qui fait qu'à un moment donné, on va essayer de parler la langue de... Alors moi, je parle pour moi, mais évidemment, des écrivains qui peuvent être comme ça, des écrivains... qui font un peu peur, on va essayer de parler la langue de Victor Hugo, la langue de Proust, la langue de Flaubert, et puis la langue de, je vais prendre des auteurs beaucoup plus contemporains, des auteurs que j'aime, Sylvie Germain, Pascal Quignard, voilà, des langues différentes, avec des styles différents. Alors, pour bien vous faire comprendre cette dimension-là, je vais vous lire une lettre que j'aime beaucoup, qui a été écrite par Gustave Flaubert à sa muse de l'époque, qui était Louise Collet. Et vous allez voir que dans ce texte, le pouvoir de création est parfaitement expliqué, exploré par Flaubert. Et cette lettre, elle est vraiment... j'ai vraiment une tendresse particulière pour cette lettre. Alors, il l'écrit donc à Louise Collet. Depuis son lieu d'écriture, hein, Croisset, 23 décembre 1853. Il faut t'aimer pour t'écrire ce soir, car je suis épuisée. J'ai un casque de fer sur le crâne. Depuis 2 heures de l'après-midi, sauf 25 minutes à peu près pour dîner, j'écris de la Bovary. Je suis alors baisade, en plein, au milieu. On sue et on a la gorge serrée. Voilà une des rares journées de ma vie que j'ai passée dans l'illusion, complètement, et depuis un bout jusqu'à l'autre. Tantôt, à 6 heures, au moment où j'écrivais le mot « attaque de nerfs », j'étais si emportée, je gueulais si fort et sentais si profondément ce que ma petite femme éprouvait que j'ai eu peur moi-même d'en avoir une. Je me suis levée de ma table et j'ai ouvert la fenêtre pour me calmer. La tête me tournait. Cela sera-t-il bon ? Je n'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça marche vivement depuis une huitaine. Que cela continue, car je suis fatiguée de mes lenteurs. Mais je redoute le réveil, les désillusions des pages recopiées. N'importe, bien ou mal, c'est une délicieuse chose que d'écrire, que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Aujourd'hui, par exemple, hommes et femmes tout ensemble, amants et maîtresses à la fois. Je me suis promenée à cheval dans une forêt par un après-midi d'automne sous des feuilles jaunes et j'étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu'ils se disaient et le soleil rouge qui faisait s'entrefermer leurs paupières noyées d'amour. Est-ce orgueil ou piété? Est-ce le débordement niais d'une satisfaction de soi-même exagérée? Ou bien un vague et noble instinct de religion. Mais quand je rumine, après les avoir subis, ces jouissances-là, je serais tentée de faire une prière de remerciement au bon Dieu si je savais qu'il pût m'entendre. Qu'il soit donc béni pour ne pas m'avoir fait naître marchand de coton, vaudevilliste, homme d'esprit, etc. Chantons Apollon comme au premier jour. Aspirons à plein poumon le grand air froid du Parnasse. Frappons sur nos guitares et nos cymbales et tournons comme des derviches dans l'éternel brouhaha des formes et des idées. Adieu, chère bonne muse. De t'écrire m'a fait passer mon mal au front. Je le mets sous tes lèvres et vais me coucher. Encore adieu et mille caresses. À toi. Voilà, vous venez d'entendre une lettre dans laquelle Flaubert nous montre tout à fait que, alors lui c'est écrire, mais moi je pense que c'est exactement ce que doit faire le lecteur, la lectrice à voix haute, c'est-à-dire devenir véritablement tout ce dont on parle,
C'est-à-dire c'est presque c'est à la fois une forme de dépossession de soi-même et en même temps de possession de la pensée de quelqu'un d'autre. Et tout ça va s'allier d'une manière tout à fait presque alchimique. C'est absolument génial. Et c'est cette capacité à entrer en relation avec tout ce dont on parle, aussi bien le paysage, ce qui est décrit, que les paroles, que les personnages, que les dialogues, c'est tout. C'est pas que les dialogues, évidemment, c'est surtout l'ensemble du texte qui va faire la qualité d'une lecture. D'ailleurs, à cet égard, j'ai plusieurs phrases qui me viennent. Je pense à Vladimir Nabokov qui disait que c'était le lecteur qui faisait le livre en le lisant. On a aussi Francis Ponge qui nous dit, dans une formule comme ça assez marrante, il dit bah, c'est le lecteur, c'est celui qui allume la lumière, qui dit il tourne le commutateur. Donc il y a cette idée-là aussi. Et puis il y a un autre auteur, là tout d'un coup son nom m'échappe, qui dit que celui qui lit, bah, c'est comme s'il démontait le texte et puis qu'il le recompose. Il arrive à faire entendre le travail à l'intérieur du texte, que c'est comme un mouvement d'horlogerie. Enfin, vous voyez, toutes ces images-là, elles sont intéressantes pour faire en sorte que l'enfant comprenne que lire à voix haute, c'est vraiment faire ce travail d'imagination et de voir quels sont les mots qui ont été choisis, comment ces mots s'organisent, comment la phrase elle se respire, et le style, comment c'est fait cette histoire. Alors pour ce faire, on va travailler un petit texte pour que vous puissiez peut-être appréhender ce que je raconte là, avec un poème là aussi, parce qu'il me fallait une forme courte. On travaillera sur un texte, un extrait de roman pour la troisième partie. Là, à nouveau un poème de mon cher et tendre Francis Ponge, qui est mon poète préféré. Alors, c'est un texte qui s'appelle « Le cheval ». Voilà, vous l'avez à l'écran. Alors, c'est un extrait, je ne vous ai pas mis tout le texte parce qu'il est plus long. Et donc, j'ai pris un passage dans lequel il me semble qu'une fois de plus, le fond et la forme s'allient d'une manière que je trouve tout à fait exemplaire. Alors, le titre, le cheval. Bon, dans ce titre, on peut dire qu'il y a déjà tout le texte. Tout le texte est contenu dans le titre. On pourrait dire ça. On aurait pu s'arrêter là. Donc, quand on donne le titre de quelque chose, ou que le titre, c'est le début du texte, il faut que ce titre-là, le sujet même, eh bien, il faut être à plein dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment le cheval. On le présente. C'est comme s'il rentrait dans la pièce, vous voyez, ou c'est comme si on arrivait dans un... On présente un ami, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Alors, ce cheval, virgule. Ah, il est comment ? Il est nerveux ? Non, c'est un grand nerveux. Donc déjà, on a deux adjectifs là. On renforce évidemment cette idée de nervosité par grand. Donc c'est un animal tout à fait étonnant parce qu'il est non seulement nerveux, mais c'est un grand nerveux. Deux adjectifs. Virgule à nouveau. Et là, résolution de la phrase. Eh bien, qu'est-ce qu'il a de singulier cet animal ? Il est aérophage. Alors là, déjà, on se dit, mais c'est quoi ce mot aérophage ? Ça n'existe pas vraiment. Ça nous fait penser à quoi ? Aéropage. Voilà, il y a un jeu sur le son. Et on comprend que cet animal, il a comme singularité de se nourrir de l'air. Là, on continue avec cette histoire d'air. Je ne l'ai pas fait exprès, mais évidemment, je me rends compte que j'ai choisi le « j'aime le vent ». Et puis là, à nouveau, il y a un rapport à l'air. Je dois être sensible à cette... à cet élément, qui est quand même l'élément de la parole, remarque. Alors, le cheval, grand nerveux, est aérophage. Et là, Ponge, comme dans tous les textes, ça marche comme ça en général, il y a comme un projet de départ, et puis après, l'auteur va déplier sa pensée. Alors, il précise, il est comment ? Il est sensible au plus haut point. Alors, vous voyez, dans l'idée qu'il est nerveux, eh bien, il est sensible, c'est pour ça qu'il est nerveux. Alors, ce mot sensible, peut-être qu'il va falloir essayer de le lire avec une certaine tension, pour faire sentir cette nervosité qui vient de sa sensibilité. Il est sensible au plus haut point. Il serre les mâchoires, retient sa respiration, puis la relâche en faisant fortement vibrer les parois de ses fosses nasales. Donc, vous voyez dans cette phrase, on a la tension
à nouveau, son et sens. Du S, hein, on sent bien qu'il y a une tension dans le S. Il y a beaucoup de S dans ce début. Sensible au plus haut point. Il serre les mâchoires, retient sa respiration. On a aussi des R. Hein, on avait nerveux tout à l'heure. Hein. Sensible au plus haut point. Il serre les mâchoires, retient sa respiration. Là, il faut presque être en apnée. Et pour bien sentir le relâchement, on peut presque même avoir envie de respirer par le nez. Et là, tout d'un coup, puis la relâche en faisant fortement vibrer les parois de ses fosses nasales. Et vous voyez que là, il n'y a plus de virgule, il n'y a plus rien, pour bien sentir tout ce mouvement de relâchement. Donc là, on a l'exemple simple, choix sur les sons, et comment ça s'organise au niveau de la ponctuation. Trois éléments entre virgules, et une libération à la fin, et donc plus de virgule, plus rien, et on va jusqu'au point tranquillement. Ensuite, une nouvelle idée qui découle de celle d'avant. Hein, parce que dans un texte, les phrases, elles se suivent, mais elles ne se suivent pas toujours pour les mêmes raisons. Parfois, elles se suivent, c'est une nouvelle idée qui apparaît. Parfois, la phrase qui continue prolonge l'idée qu'il y avait juste avant. Vous voyez comment s'organisent les phrases, ça c'est vachement important, pour justement trouver le rythme entre les phrases. Hein, un point... ça reste une notion assez vague pour finir. Hein. Ce qu'il y a entre les deux phrases, c'est à vous de vous poser la question et puis d'essayer de trouver une réponse. Hein. Voilà aussi pourquoi le noble animal. Il faut bien sentir que c'est la phrase d'avant qui nous fait penser à ça. Ah d'accord, voilà aussi pourquoi le noble animal. Ah, nouvelle idée, noble. Voilà aussi pourquoi le noble animal qui ne se nourrit que d'air et que d'herbe ne produit que des brioches de paille et des pets tonitruants et parfumés. Donc on a là quelque chose de à nouveau très intéressant puisqu'on Ponge revient sur cette idée de l'air, mais il prolonge son idée en se disant « Ah oui, mais il y a aussi l'herbe, il se nourrit aussi d'herbe. » Vous voyez, dans herbe, on a aussi air, le son air. Hein, qui ne se nourrit que d'air et que d'herbe. Hein. Et du coup, nouvelle idée, ne produit que des brioches de paille. Enfin, dans le mot brioche, hein, faut voir que le crottin du cheval, c'est quand même assez, c'est quand même une chose assez importante. Ne produit que des brioches de paille, et on a l'idée de paix, de la paille, et du coup, on a les paix derrière. Ne produit que des brioches de paille et des paix tonitruants et parfumés. Vous voyez, tous ces paix, hein, ça nous montre que c'est un noble animal, c'est un animal puissant, c'est un animal qui, c'est pas une petite bête. Hein. Donc vous voyez le choix des sons et comment le son va servir une idée. Hein. Quand c'est bien écrit, ça fonctionne comme ça en général. Ne produit que des brioches de paille et des pets tonitruants et parfumés. Point. Et là, on a une petite phrase courte derrière qui précise la pensée précédente. Non, des tonitruismes parfumés. Hein. Donc vous voyez là tout d'un coup une phrase très courte avec seulement trois mots qui vient préciser, renforcer ce que nous dit la phrase qui est juste avant. Hein. Donc vous voyez dans comment ça s'organise. Donc on a cette première partie, je vous la relis une fois. Le cheval, grand nerveux, est aérophage. Sensible au plus haut point, il serre les mâchoires, retient sa respiration, puis la relâche en faisant fortement vibrer les parois de ses fosses nasales. Voilà aussi pourquoi le noble animal, qui ne se nourrit que d'air et que d'herbe, ne produit que des brioches de paille et des pets tonitruants et parfumés. Des tonitruismes parfumés. Ensuite, deuxième partie. Tout d'un coup, libération un peu. Vous voyez, il y a une certaine tension depuis le début. Et tout d'un coup, il y a des questions qui viennent alléger les choses parce que vous allez voir que petit à petit, le cheval, il va s'envoler. Donc, il faut qu'il s'allège. Que dis-je ? Qu'il se nourrit d'air ? Ah oui, il faut essayer de retrouver de la légèreté, de la souplesse là-dessus. Que dis-je ? Qu'il se nourrit d'air ? Il s'en enivre, le hume, le renifle, si hébreu. Il s'y précipite, il secoue sa crinière, il fait voler ses ruades arrière. Il voudrait évidemment s'y envoler. La course des nuages l'inspire, l'irrite d'émulation, il l'imite, il s'échevelle, caracole. Il faut vraiment qu'à la fin, on ait ce sentiment que
l'animal en question, qui était un animal assez important, assez lourd, assez grosse bête, et bien petit à petit, cette grosse bête, elle va s'alléger avec tout cet air peut-être qu'elle a ingurgité, qu'elle a mangé. Hein. Elle s'est délestée avec ses brioches de paille et ses pets tonitruants et parfumés. Hein. Et tout d'un coup, ce cheval, il va pouvoir décoller. Et à la fin, on doit pouvoir avoir l'image d'un cheval ailé d'une certaine façon, comme Pégase. Donc, vous voyez que dans ce texte de Francis Ponge, on a vraiment quelque chose qui s'apparente à un objet textuel. C'est-à-dire que Francis Ponge, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi pour vous aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui avait un projet d'écriture tout à fait original et en même temps très clair. C'est-à-dire qu'il choisissait un objet, un animal, un sujet, il disait qu'il allait choisir quelque chose qui était près de lui, proche de lui, parce qu'il disait qu'il avait le vertige et qu'il fallait donc qu'il se raccroche à ce qu'il avait de plus près. Alors, ce vertige, il s'est soigné, ce vertige de vivre, parce que c'était ça en fait. Ce vertige, il a essayé de le soigner en écrivant, donc en utilisant sa parole, une chose qu'il avait à portée de la main, et un objet, un animal qui lui est proche, alors qu'il a choisi le cheval. Donc de cet objet, parce qu'il appelait ça comme ça, de cet objet qu'il prend dans le monde, il en fait un objet d'écriture, donc un travail d'écriture, et ce qu'il souhaitait, c'est que ce objet, il disait, devienne un objet, c'est-à-dire que ce cheval devienne, il y a une jubilation pour celui qui le lit et pour celui qui l'écoute, puisque là, voilà, j'ai terminé cette deuxième intervention. Merci Frédéric. Merci beaucoup Frédéric pour cette deuxième intervention. On te retrouvera tout à l'heure pour clôturer cet après-midi avec une dernière intervention sur l'interprétation. Donc, en attendant, on va partager plein d'autres choses. Merci à toi. Il y a encore des super commentaires qui arrivent dans le fil de discussion. Voilà, tout le monde a l'air de trouver cela passionnant et c'est bien vrai. Donc, merci pour vos retours en parallèle dans le fil de discussion. Alors, pour ma part, je vais prendre le relais sur la présentation de nos trois ressources pédagogiques avant de confier la parole à Sandrine Plouard, qui est donc la seconde enseignante à intervenir cet après-midi. Donc, je remets mon partage d'écran. Et j'en profite pour terminer, puisque tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, dans la précipitation de la pause qui arrivait, pour clôturer, juste avant de parler des ressources, ce calendrier. Avec le fait d'encourager l'aventure collective tout au long de l'année. On a décidé cette année de commencer à orienter aussi notre communication en ce sens, en vous proposant, et vous le verrez dans la brochure, que vous pouvez télécharger sur le site ou que l'on peut vous envoyer également, si vous le souhaitez. On a partagé quatre premières initiatives qui vous permettent de faire vivre le jeu tout au long de l'année, au-delà de ce qu'évoquait notamment Élodie et de ce dont va parler Sandrine pour faire en sorte que tous les élèves soient fédérés à la fois autour de leur petit champion, mais aussi de la lecture à voix haute jusqu'à la fin du mois de juin. Et puis, bien après, on l'espère, dans la suite de leur scolarité. Donc, tout au long de l'année, vous pouvez nous faire part de vos lectures coup de cœur, plutôt des lectures coup de cœur de vos élèves. Donc, n'hésitez pas par mail à notre adresse contact@lespetitschampionsdelecture.fr à nous envoyer, alors soit au nom de la classe, soit au nom d'un élève directement, avec l'autorisation toujours des parents pour diffuser d'éventuelles photos. On peut nous relayer les lectures coup de cœur des enfants, ce qui permet d'encourager le lien de transmission, enfin cette transmission d'enfant à enfant, avec des recommandations de lecture entre eux, qui souvent, on le voit d'une année sur l'autre, encouragent beaucoup la reprise de titres aussi par la suite. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous pouvez aussi les encourager à devenir jurés à leur tour, notamment sur l'étape du troisième tour, sur la finale régionale, puisque tout est publié
en ligne, toutes les vidéos. Donc, ils peuvent regarder aussi ces vidéos, par exemple, en classe. Et puis, à l'aide de la grille d'évaluation, notamment celle qui est adaptée aux élèves dont je parlais tout à l'heure, ils peuvent devenir jurés à leur tour, endosser ce rôle et du coup, exercer leur esprit critique et puis continuer à réfléchir sur les bonnes pratiques, entre guillemets, pour bien lire à voix haute. Troisième idée, c'est de pratiquer la lecture à plusieurs voix et donc de continuer à faire des lectures à voix haute en classe d'un texte à plusieurs, ce qui permet aussi de travailler sur l'attention que l'on porte à l'autre. Donc, ça donne aussi la possibilité de découvrir des textes d'une autre manière. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à l'encourager en binôme, en trio, etc. Et puis, enfin, on vous encourage à échanger avec les médiateurs du livre, à emmener vos élèves, si vous le pouvez, en bibliothèque, en librairie, de leur permettre de découvrir ces métiers dans un premier temps, de laisser donc ces professionnels du livre les guider, les orienter, comme je le disais tout à l'heure, notamment avec le rôle de prescription du bibliothécaire au début. Voilà, nous pouvons encore une fois, comme je le disais, vous mettre en relation avec ces structures si vous le souhaitez. Alors, on va rentrer dans le vif des sujets, les trois ressources proposées. Avec donc les trois ressources qui s'affichent à l'écran, les suggestions de lecture, les fiches pédagogiques, les vidéos conseils, qui sont donc trois ressources que l'on a développées au fur et à mesure des années, mais qu'on a particulièrement, sur lesquelles on a particulièrement accentué notre travail depuis le début de l'année dernière. Et donc, sur les suggestions de lecture, pour commencer, un constat qu'on a fait à l'échelle départementale l'année dernière, avec les auteurs, les séries, les titres aussi hors série et puis les nouveautés qui sont les plus lues en fait, donc à la fois au premier tour mais aussi sur l'étape départementale. Donc comme vous le voyez et comme je le disais tout à l'heure quand j'insistais sur la disponibilité de l'auteur pour la finale nationale, Roald Dahl et J.K. Rowling, ce sera pour des raisons très différentes compliqué de les faire venir. Donc, voilà aussi pourquoi on oriente les choses sur la finale nationale. Donc, vous voyez aussi dans les top séries, Harry Potter, évidemment, avec le top auteur juste au-dessus, La guerre des clans, Chien pourri, ou encore Histoire des gens quelque chose. Hors série, L'œil du loup, de Daniel Pennac, qui est vraiment le livre le plus lu, le top 1, en fait, de tous les livres qui sont lus par les enfants, en tout cas pour l'édition précédente. Journal d'achat assassin. Et bien d'autres. Roald Dahl revient à plusieurs reprises, Bernard Friot également. Et puis, on est content de voir dans ce top des nouveautés qui, petit à petit, sont de plus en plus lues et font partie de plus en plus des 20 titres les plus lus, notamment Le Monde de Lucrèce, d'Anne Goscinny, La Nouvelle de Cassandra O'Donnell, L'Internat de l'île aux cigales de Julie Bonny, qui avait été un livre choisi, tout comme Le Monde de Lucrèce, sur une finale nationale. Et puis Verte de Marie Desplechin, qui est un petit peu moins récent, mais qui malgré tout fédère toujours autant d'enfants. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un aperçu des choix de lecture et de ce qui en découle, c'est-à-dire les choix de lecture pour la finale nationale qui font partie de nos suggestions de lecture. Suggestions de lecture que vous pouvez retrouver sur notre site, elles sont accessibles à tous en dehors de votre espace organisateur. Donc dans le menu, vous avez donc une rubrique ressources. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources que je présente à l'instant, parmi lesquelles les suggestions de lecture, avec des suggestions qui sont là depuis plusieurs années, en tout cas qu'on actualise pour avoir toujours des livres très récents parus au cours des trois dernières années, qui sont proposés et classés par thématique. On va y revenir. En tout cas, ici, on vous a indiqué comment le comité de sélection, dont je parlais tout à l'heure, travaille pour élaborer une liste d'ouvrages en vue de la finale nationale. Donc, cette année, ce sont 36 titres qui ont été retenus. Pour rappel, c'est 40 maximum. Donc, ils en ont retenu 36 avec une composition de comité que vous voyez s'afficher à l'écran et des critères qui sont très clairs et que j'évoquais tout à l'heure. On a décidé ensuite d'éditer un guide que je vais vous montrer dans un instant qui pourra vous être envoyé sur demande et qui voilà, vous permet à tout moment de consulter cette fameuse sélection avec des résumés de textes notamment. Le voilà, et le voilà à l'écran, si vous voyez toujours ma caméra, en version papier. Il s'agit d'un tout petit guide qui regroupe ces 36 romans sélectionnés. On les retrouve sur le site internet dans la rubrique suggestions de lecture avec une petite mention 2021
Mais ici, ils sont tous réunis autour des thématiques que vous voyez, histoire, frisson, enquête, aventure, nature, récit de vie, famille-amis, humour et fantastique. Ce sont les thématiques qui nous sont apparues, voilà, les plus représentatives des choix de lecture des enfants aujourd'hui et qui nous permettent donc dans ce petit guide, pardon, de vous montrer, je vous montre à l'écran, mais je vais vous indiquer comment vous pouvez consulter désormais en ligne, d'avoir des pages dont vous avez évidemment beaucoup de photos tout au long du guide. Vous avez un sommaire avec l'ensemble de ces rubriques, toujours illustrées par Thomas Basse, notre illustrateur. Et puis, vous avez ensuite pour chacune des rubriques, donc là, on a à la fois la rubrique histoire et la rubrique frisson, la couverture du livre, l'auteur, l'éditeur, un court résumé et puis des mots-clés aussi qui viennent compléter la thématique et qui permettent à l'enfant d'en savoir un peu plus sur les sujets qui sont abordés dans le livre. Voilà. Donc, c'est vraiment un livret qu'on vous encourage à consulter. Il est disponible sur le site internet en consultation via vraiment vous feuilleter le livret comme si vous l'aviez en main. Et puis, vous pouvez nous envoyer un mail quand on vous enverra les ressources de cet après-midi par mail avec votre adresse postale afin qu'on vous l'envoie et que vous puissiez l'avoir aussi en format papier. Ce ne sont que des suggestions de lecture. Aucune lecture imposée ici. Et pour répondre à des questions que je reçois régulièrement par mail, cette sélection n'est pas envoyée si vous vous inscrivez, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas les 36 titres dans les classes. Malheureusement, on aimerait beaucoup pouvoir le faire, mais ça n'est pas encore le cas. Il ne s'agit là que de suggestions et de livres qui sont disponibles dans les bibliothèques et dans les librairies et que chacun peut se procurer s'il a un coup de cœur. Autrement, il peut, comme je le disais, choisir dans sa bibliothèque personnelle, dans la bibliothèque de l'école ou dans la bibliothèque de sa commune, le livre qu'il souhaite. Voilà, ce ne sont que des suggestions ici pour encourager la découverte de la littérature jeunesse contemporaine. Alors, il y a des questions qui sont arrivées avant de passer aux fiches pédagogiques. Peut-on obtenir le guide en version papier ? Oui, voilà, j'ai répondu, donc... N'hésitez pas demain, quand on vous enverra le mail, à revenir vers nous avec votre adresse postale complète pour qu'on procède à un envoi papier. Alors, la deuxième ressource pédagogique, ce sont des fiches pédagogiques qui sont apparues en début d'année dernière, qui vont être développées de plus en plus au fur et à mesure des années. On est en train de travailler sur deux autres fiches cette année. En tout cas, elles existent aujourd'hui au nombre de 5. Choisir un livre et un extrait, comprendre un texte, se préparer à la lecture à voix haute, qui est la fiche la plus complète, qui est assez longue, mais qui reprend beaucoup d'aspects liés à la pratique de la lecture à voix haute. Choisir l'ambassadeur de la classe, ça j'en parlais tout à l'heure avec la grille d'évaluation adaptée aux élèves. Et puis l'organisation d'une rencontre auteur en classe, qui est née d'une demande très spécifique de la part des enseignants, qui avaient besoin d'idées pour préparer cette rencontre. Donc, en amont, évidemment, pour accueillir l'auteur et voir comment organiser la demi-journée de présence et puis, en aval, restituer de ce moment d'échange. Donc, ici, je vous ai mis des extraits de certaines fiches, notamment la méthode 5 doigts qui est extraite de la première fiche sur le choix du livre et de l'extrait. Le but de ces fiches, c'est vraiment de vous proposer des activités rapides et faciles à mettre en place, c'est-à-dire des activités qui sont relativement courtes, qui ne durent pas trop longtemps et qui permettent en classe de travailler sur des aspects. Donc, vous pouvez vraiment piocher parmi les activités, parmi les thématiques abordées dans ces fiches, ne pas évidemment toutes les faire. Chacun dispose d'un temps différent. Donc, encore une fois, c'est totalement libre. Mais l'idée, c'est de regrouper un maximum d'idées pour vous permettre de travailler sur les lectures à voix haute en avant d'entrer dans le vif du sujet des lectures. Les virelangues, dont parlait tout à l'heure aussi Élodie Valero, on en propose un certain nombre dans la fiche pédagogique. Là, j'ai juste mis l'introduction, mais derrière, sur la page, il y a des virelangues à imprimer et à découper. Donc, voilà, n'hésitez pas à les consulter. Toujours dans la rubrique ressources, vous avez des fiches pédagogiques. Vous pouvez les consulter, les télécharger et ainsi les imprimer. J'en profite pour vous dire aussi qu'avec un de nos partenaires, Lily, on a proposé une fiche dédiée à la confiance en soi. Puisque vous le savez, via le travail autour de la lecture à voix haute, on développe plein d'autres compétences et notamment la première, je dirais, la confiance en soi. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à consulter cette fiche avec d'autres activités
qui sont proposées par notre partenaire Lily. Et puis, on vous tiendra au courant de notre travail sur d'autres fiches, une fiche qui pourra notamment permettre de travailler sur la différence entre lecture et théâtre, puisque ce n'est pas forcément très clair pour tous les élèves qui participent, et c'est un sujet qui revient chaque année dès les finales départementales. Et puis voilà, on voudrait aussi avoir une fiche sur l'oralité en général, donc on va spécifier un petit peu ce cadre-là, mais on y travaille activement. Et puis pour finir, une dernière ressource pédagogique avant de confier la parole à Sandrine Plouard, les vidéos conseils. Donc sur notre site, toujours dans la même rubrique ressources, vous avez des vidéos conseils de comédiens qui partagent leur expérience. François Morel notamment fait une vidéo que je vous invite tous à aller voir, qui est fantastique, sur la lecture à voix haute. Donc, vous la retrouvez dans ressources vidéo conseils sur notre site internet lespetitschampionsdelalecture.fr. Mais vous avez aussi des conseils très courts de comédiens, de quelques secondes, sur des pratiques très précises liées à la lecture à voix haute. Nous, aujourd'hui, on a décidé de vous partager surtout les vidéos tutos qui ont été réalisées avec notre partenaire J'aime lire Max, le magazine donc qui est dans la cible des petits champions, avec la participation de deux anciens petits champions, Adrien et Charlie, qui ont réalisé 6 vidéos assez courtes, deux conseils que vous voyez donc s'afficher avec les thèmes sur votre écran. Ce sont des vidéos qui, pour nous, font complètement sens, qui encouragent la transmission d'élève à élève et qui peuvent être totalement, de par leur format court, être diffusées en classe et être un bon point de départ pour engager une discussion autour de la lecture à voix haute avec vos élèves et les faire réagir sur ce qui est dit dans ces vidéos et donc démarrer ce travail autour de la lecture à voix haute. Ici, quelques extraits rapides de vidéos que je ne vais pas vous montrer puisque je vais vous en montrer une seule avec le temps qui nous est imparti. Sur le fait de lutter contre le trac pour Charlie, mais aussi d'avoir choisi un texte plein d'humour pour Adrien. Donc, je vous laisse lire rapidement ces verbatims. Et puis, je vais vous partager donc la vidéo qui va dans le sens de la fiche pédagogique sur laquelle on travaille, sur la différence entre lecture et théâtre. Comment lire sans trop jouer la comédie. Donc, je coupe le partage d'écran un instant pour vous repartager la vidéo dont je vous parle. Et que je lance tout de suite. Bonjour tout le monde, je m'appelle Adrien, j'ai 11 ans, j'ai obtenu la deuxième place au concours national des petits champions de la lecture. Et moi c'est Charlie, j'ai 11 ans et j'ai fini dans le top 10 des petits champions de la lecture. Célestine, Célestine! Le cœur de Célestine fait un bond. Elle vient de reconnaître Mademoiselle Aimée. Mademoiselle Aimée, nous sommes ici! S'écrie-t-elle en passant sa main par la fenêtre. Mademoiselle Aimée accourt, essoufflée. Ses cheveux gris sont en désordre, son manteau est élimé, ses bottines usées. Mais Célestine la trouve toujours très élégante, avec sa bouche très rouge, ses joues poudrées et ses chapeaux excentriques. Il fallait pas trop jouer de la comédie parce que sinon c'est surjoué. Mais la lecture à voix haute, ça reste raconter une histoire. Si on joue trop, c'est plus de la lecture, c'est du tournage de film. C'est un film au cinéma. Il faut trouver l'intermédiaire, il faut faire passer des émotions, il faut pas que ce soit monotone, mais il faut que ça reste de la lecture. Alors, une autre chose, c'est quand on fait du théâtre, ça oblige l'auditeur à avoir une certaine interprétation du personnage, avec les grands gestes et tout. Alors que si on met juste le ton, on laisse le public à avoir sa propre interprétation. Par exemple, pour Mademoiselle Le Gourdin, j'ai fait la grosse voix de Mademoiselle Le Gourdin, la toute petite voix des enfants terrorisés. Et ça faisait assez rire. « Bonjour les enfants » aboya-t-elle. « Bonjour Mademoiselle Le Gourdin » gazouillère-t-il. « Ah, vous n'êtes pas beaux à voir » dit-elle avec une expression de profond dégoût, comme si elle regardait une procession de limaces au milieu de la salle. « Quel ramassis de répugnants qu'encre-là vous faites !» Chacun eut le bon sens de rester silencieux. Si, il ne faut pas apprendre le texte par cœur, parce que sinon ça ne serait plus de la lecture, ça serait de la récitation.
Voilà, donc pour revenir rapidement sur les ressources pédagogiques, vous avez découvert l'une de ces 6 vidéos. On vous invite à consulter les 5 autres et à les partager, notamment peut-être en classe, si vous en avez le temps et l'occasion. En tout cas, elles sont accessibles, comme le reste des ressources, toujours sur notre site Internet, dans la rubrique « Ressources » du menu. Et vous avez tout en accès direct, téléchargement, lancement de vidéos directes, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser toutes ces ressources qui sont mises à votre disposition et qui sont mises à la disposition de tous les enseignants, y compris ceux qui ne participent pas. Alors, je vais laisser la parole à Sandrine Plouard, que j'invite à nous rejoindre. On va vous voir apparaître à l'écran. Sandrine, est-ce que vous nous entendez et est-ce que l'on vous entend? Alors, moi, c'est bon, je vous entends. Oui. Super, ça fonctionne très bien. Du coup, Sandrine, je vous laisse, avant qu'on marque une courte pause, nous relater votre expérience sur le jeu et notamment plutôt sur la seconde partie du jeu après l'exposition, enfin l'exposé d'Élodie sur la période du premier tour, puisque vous avez accompagné Wayne jusqu'à la finale nationale, votre petit champion de classe qui est devenu le petit champion de la Normandie et qui par ailleurs a été le second prix de la finale nationale ensuite. Donc, je vous laisse la parole. À tout de suite. Très bien. Bah, écoutez, moi, c'est ce que je vous disais au départ. J'avais inscrit ma classe dès le début des petits champions de la lecture. Ça me paraissait vraiment une évidence parce que c'est quelque chose que moi, j'apprécie, le partage autour de la lecture. Je l'ai fait avec mes enfants, je l'ai fait avec ma classe. J'aime bien le passage de Daniel Pénac sur Comme un roman où on nous dit, bah, finalement, pour amener les enfants à lire, il faut leur lire des histoires. Moi, en classe, je lis très régulièrement. Et donc, l'année dernière, j'avais commencé par la lecture du livre Alma de Timothée de Fombelle et je les ai tenus en haleine sur ce roman autour de l'esclavage que je leur ai lu quotidiennement. C'était un peu la lecture récompense. Et puis, on avait aussi également un projet autour de cette lecture. On a travaillé avec les bibliothécaires de notre ville qui nous ont fait une sélection et on a participé au prix de la Flamme de l'égalité et ils ont réalisé un petit livre où ils présentaient justement différentes lectures sur l'esclavage qu'ils avaient eu à faire pendant l'année. Donc, on a commencé par ça. Et moi, je me suis pas mal mise en scène parce que ben, je leur présente le livre, j'y mets, enfin, je pense, une part d'émotion, de plaisir. Et donc, après, ben, finalement, le concours des petits champions de la lecture, il prend place tout naturellement. Alors, moi, je ne le fais pas avec l'ensemble de ma classe, je demande aux volontaires qui souhaitent le faire de s'inscrire. Alors, on le fait sur les temps d'APC, donc les temps d'activité pédagogique complémentaire. Et j'avais créé l'année dernière, en fait, ce qui m'a vraiment, entre guillemets, porté chance, c'est qu'on avait, on a vécu le confinement et les enfants, finalement, ils étaient contents de se retrouver. On faisait ça le vendredi soir. Donc, le vendredi soir de 16h30 à 17h15, ils restaient à l'école pour les volontaires. Ils ramenaient leur bouteille, jouaient un petit peu et après, on partageait autour de nos lectures. Donc, en fait, je commençais par la lecture. À chaque fois que j'ai eu à mener ce projet-là, je l'ai fait de la même manière. C'est-à-dire qu'on commence par présenter les petits champions de la lecture. Ils regardent les vidéos des enfants qui y ont participé. Puis, on travaille sur des virelangues, des petits textes de théâtre. Et ça leur laisse le temps à eux de pouvoir choisir le livre qu'ils ont envie de présenter. Alors, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde n'est pas… ce qui est compliqué, ce qui fait la richesse du projet, c'est qu'évidemment, tout le monde n'est pas lecteur. Moi, l'année dernière, j'avais sur 12 élèves volontaires, j'en avais presque la moitié pour lesquels j'ai eu à faire des PAP. Donc, c'était des enfants qui étaient suivis pour de la dyslexie principalement. Et ça ne les a pas empêchés de s'inscrire au projet. Donc, c'est aussi pour vous dire que ça touche tous les enfants, que ce soit… les très bons lecteurs ou des lecteurs plus en difficulté. Donc, les enfants qui sont très bons lecteurs viennent naturellement avec des livres. Pour les autres, il faut les aiguiller un petit peu. Donc, moi, j'ai pas mal de livres que je leur laisse regarder. Je leur présente, je les conseille, je leur en donne plusieurs, ils peuvent les emmener chez eux. Et puis après, ils vont nous présenter leur choix. Ensuite, quand on le fait en classe, souvent, en fait,
ils vont travailler par deux, c'est-à-dire que ils vont se présenter le livre l'un à l'autre. On sort, on peut aller dans la cour de récréation, on peut se mettre dans un autre coin de l'école, et puis on lit le texte à son camarade. Donc le camarade, il va faire attention évidemment au fait que ce soit bien articulé, qu'il le comprenne bien, qu'il puisse l'entendre, parce qu'on se met à distance l'un de l'autre. Et puis après, il va faire des commentaires évidemment sur ce qu'il a aimé, moins aimé. Et puis ils vont venir après nous présenter, on se réunit tous ensemble et ils vont nous présenter le texte qui va évoluer au fur et à mesure. Donc Wayne, lui, il avait choisi, donc notre ambassadeur de l'an passé, a choisi d'ailleurs son texte, parce que c'est un gros lecteur de manga. Donc lui, il avait choisi son texte que je leur avais présenté avec la méthode lecteur-lectrix. Et donc c'était le texte « L'homme à l'oreille coupée » qu'on a découvert avec lui. Et puis il avait apprécié, donc c'est le texte qu'il a choisi de présenter. Donc, pour vous dire en fait que tous les travaux qui sont présentés dans la classe permettent d'enrichir et de donner des idées aux enfants. Après, donc, je leur demande de justifier aussi. Souvent, ils ont tendance à lire la première partie du livre. Donc, en fait… Je leur demande d'aller voir un peu dans le texte s'il n'y aurait pas un passage qu'ils préféraient, s'il n'y a pas forcément plus de suspense en lisant ce passage-là, ou s'il n'y a pas le focus sur un personnage qui les intéresserait plus, ou si c'est un passage plus émouvant. Donc, il y a vraiment cette réflexion autour du livre et on en discute tous ensemble, ce qui enrichit l'interprétation des livres. Donc voilà, alors c'est aussi un projet qui favorise le travail avec la famille, parce que les enfants, ils me lisent le texte, mais bien souvent on se rend compte qu'ils l'ont lu et répété à leur famille et qu'ils ont les conseils aussi, et des parents, et des grands frères, et des grandes sœurs, et c'est vraiment très agréable. Donc, ensuite, en janvier, il y a le passage, on va choisir notre ambassadeur. Et donc là, moi, l'année passée, on ne pouvait pas faire de brassage. Donc, j'avais demandé à mes collègues de constituer le premier jury. Donc, les enfants sont passés devant le jury, ont réalisé leur lecture. Et puis, on a eu c'était pas un souci, mais on n'arrivait pas à départager deux des élèves. Donc, on a fait appel à une enseignante extérieure qui est venue les filmer et puis qui nous a dit, ben voilà, qui a fait le choix de notre ambassadeur. Donc, mais sinon, les années précédentes, en fait, ce qu'on avait fait, c'est que nous, on l'avait en fait vraiment répercuté sur l'ensemble de l'école, c'est-à-dire qu'il y avait les CE2, c'était mis aux petits champions de la lecture, les CM1 et les CM2. Et donc, les CE2 en fin d'année étaient devenus jury. Les CM1 lisaient devant les CM2. Et les CM2, en fait, on faisait appel au collège avec lequel on travaille. Et ils envoyaient une classe de 6e qui avait établi une grille et qui entendait nos élèves. Donc, ils viennent en janvier, ils entendent les élèves. On faisait aussi appel à notre… Alors ça, c'était un petit peu la petite récompense. On faisait appel à notre ancien petit champion de lecture quand il était au collège. Et il revenait avec le groupe de 6e pour partager son expérience puis conduire un peu les jurys les autres membres du jury dans la mission, parce qu'ils se représentaient bien les difficultés que ça pouvait être de lire devant les autres. Voilà. Donc, c'est vraiment toujours un moment très riche, très fort. Il y a pas mal de tensions. Donc, moi, à ce moment-là, j'avais acheté un bouquin de Frédéric Lenoir. Et en fait, je leur passais un CD qui était de méditation pour les détendre un peu pour ceux qu'on avait besoin. Parce qu'il y a quand même, faut pas croire, mais c'est un moment où on donne beaucoup de soi-même. Voilà. Et qui représente beaucoup pour les enfants. Et donc, Wayne, il est passé par toutes ces étapes-là. Et donc, on a appris au mois d'avril qu'il allait en finale nationale. Donc, ça a été la fête dans la classe. Et on a aussi appris qu'on avait la venue d'un auteur.
Donc, Wayne a eu à choisir parmi une liste de 30 ouvrages ses trois livres préférés. Donc, il avait pour ce faire la première de couverture et puis un petit résumé. Alors, on en a discuté, je l'avais appelé, on a reçu ça un mercredi, donc je l'ai appelé et puis je lui ai dit, quelle émotion toi tu voudrais transmettre. Donc, on a discuté un peu de comment il allait faire son choix. Alors, il avait envie de faire rire, donc on est plutôt parti sur un texte humoristique. Et donc, on avait choisi trois livres qui étaient plutôt sur l'humour. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, ce serait bien qu'ils puissent un peu les regarder, ces livres-là, plus en détail. Donc, le mercredi après-midi, ni une ni deux, on est allé à la librairie de la ville de Rouen, enfin à l'Armitière. Et puis, comme ça, Wayne a eu l'occasion de prendre les livres, de les feuilleter, et il a fait son choix définitif de cette manière-là. Donc, c'était rigolo parce que je le voyais, je l'avais laissé un peu dans regarder les bouquins. Et puis, c'est là où on voit qu'il a vraiment mené un travail par rapport à ça parce que il prenait le livre et puis il le lisait quand même. Alors, pas trop fort, ce qui ne voulait pas être entendu de tout le monde, mais il y avait déjà cette dimension de relation à l'oral. Et comment ce qu'il avait pouvoir en tirer, comment il allait pouvoir le faire passer. Donc, il a choisi le livre « Adieu tant aimé » de Agnès Mathieu Daudet et on a préparé donc la venue de l'auteur. Alors, moi, je ne voulais pas que ce soit du tout quelque chose d'individuel, je voulais que ce soit une aventure collective. Et donc, j'ai dit aux enfants, cette lecture-là, elle peut peut-être faire appel chez vous à d'autres, vous faire penser à d'autres livres parce que c'est forcément une lecture en réseau. Donc, qu'est-ce que vous avez lu, vous, qui puisse, et puis je les ai un peu aiguillés aussi, qui puisse vous faire penser au livre d'Agnès Mathieu Daudet. Donc, on est parti sur le fait que c'était un petit garçon, Jarvis, qui racontait son histoire. Donc, évidemment, il y avait l'histoire du petit Nicolas aussi, où le narrateur, c'est un enfant. Donc, on a retenu ce livre-là. On a retenu un autre livre qui s'appelle « Le journal de Lucrèce ». On a retenu « Wonder ». Et chaque enfant a pris un passage de ce livre-là et a commencé à le préparer pour le présenter à Agnès Mathieu Daudet quand elle viendrait dans la classe et lui montrer les partages, cette lecture en réseau qui nous semblait importante. On a travaillé aussi donc « Adieu tant aimé », c'est l'histoire de l'enterrement de… Alors, ça paraît pas très drôle au départ, mais ça l'est quand même. C'est donc Jarvis qui va assister à son premier enterrement et c'est l'enterrement de cette fameuse tante aimée qui, en fait, est une tante détestée, pas très gentille, qui, pour tracer vite fait, pour vous donner un peu une idée du personnage, a un chien qu'elle appelle débile. Donc, ça a beaucoup fait rire les enfants. Et puis, on a aussi travaillé sur les personnages odieux ou un peu caricaturaux que l'on pouvait trouver dans d'autres livres. Donc là, on avait un petit garçon qui était volontaire au tout départ dans le club lecture, qui lui nous a lu un extrait d'un livre de Chair de poule où il y avait un petit garçon qui s'amusait à terroriser sa sœur. On a eu un extrait de Toby Lolness. Enfin, voilà. Donc, on a dégagé comme ça à chaque fois des livres qui étaient en relation avec celui de Wayne. On a ensuite eu d'autres livres. Donc, il y avait ce fameux chien débile. Donc, on a pris aussi des lectures qui mettent en scène des animaux. Et puis, le jour J, les enfants ont présenté leur lecture à Agnès Mathieu Daudet, les uns après les autres. Ensuite, Wayne est venu, a lu son extrait. Et puis après, les enfants, je leur avais demandé si eux-mêmes voulaient reprendre des passages du livre d'Agnès Mathieu Daudet et les faire évoluer. C'est-à-dire que, par exemple, Débile ne parlait pas. Donc, on a fait parler le chien qui avait aussi assisté à l'enterrement et on a imaginé comment lui, il vivait l'enterrement. Donc, il y a plusieurs enfants qui ont écrit des textes autour de ça. On a aussi fait des recherches sur un enterrement, comment ça se vit ailleurs, quels sont les rituels. Et Jarvis, on l'a fait parler. Enfin, il y a des enfants qui ont écrit un texte autour de ça. Et donc, il imaginait comment lui, il gérerait, après des lectures documentées, l'enterrement de son grand-père.
Et enfin, pour finir, quand j'avais découvert une petite application sur Internet qui s'appelle Chatterpix. Et donc, cette application-là, elle est très sympa parce que vous pouvez prendre en photo un personnage, donc soit un dessin que l'enfant a fait, ou alors une illustration faite par un illustrateur. Et vous lui dessinez une bouche et vous vous enregistrez, ce qui fait que vous faites parler le personnage. Et donc là, nous, on a utilisé cette application-là et on a fait parler tant aimé de sa voix d'outre-tombe qui avait vu le discours de Jarvis et qui le commentait à la fin. Voilà, donc ça a donné vraiment lieu à une rencontre avec Agnès Mathieu Daudet, sympathique, où tout le monde prenait sa place. Il y a des enfants aussi qui ont travaillé sur réaliser un grand cercueil. Il y en a une qui a fait le portrait d'Agnès Mathieu, de Tante Aimée, qui l'a posé sur le cercueil. Et Wayne a fait son discours, a lu son extrait ainsi. Il était également déguisé, donc il a repris la description qui était faite de Jarvis dans le texte, et il portait une chemise noire avec une tête de mort. Il avait un short à rayures, comme dans le texte, et puis des tongs avec des palmiers. Donc voilà, c'était un peu étonnant, et il s'est vraiment senti incarné le personnage. Donc, tout le monde était impatient de montrer toutes ses recherches, cette manière de le mettre en scène à l'auteur. Ensuite, des enfants avaient travaillé sur vraiment le travail, enfin, la rencontre avec l'auteur et avaient réalisé un portrait chinois. Donc, Agnès Mathieu Daudet a répondu aux questions des enfants. Et puis, pour finir, elle a mené un petit atelier de production d'écrit avec eux pour leur montrer ce qu'était vraiment le travail d'écriture. Donc, ça c'est vraiment c'était un moment un peu hors du commun. Moi, je souhaite à tout le monde de connaître ça parce que c'est vraiment des moments où on sent, on se dit qu'on exerce le plus beau des métiers, quoi. Ensuite, donc, j'ai accompagné l'auteur. Il était midi et mes élèves étaient restés dans la classe. Et quand je suis revenue, j'en ai retrouvé au micro qui s'amusait à lire les textes des copains. Alors, je vous disais aussi qu'on avait eu du mal à départager deux enfants. Donc, la petite deuxième du concours, je lui avais demandé d'être un peu le maître de cérémonie. Donc, c'est elle qui a vraiment géré la rencontre avec Agnès Mathieu Daudet, qui l'a accueillie, qui a présenté ses camarades et qui a géré toute l'organisation. Voilà, c'était notre présentatrice. Donc, chacun trouvait sa place finalement dans cette rencontre. Et puis, le jour J est arrivé pour Wayne. Donc, ses parents ne pouvaient pas l'accompagner dès le matin. Et vous pensez, j'étais vraiment très contente d'être sollicitée. Je ne me suis pas fait prier, donc je l'ai accompagnée à la Comédie Française. Je pense que j'étais plus stressée que lui, finalement. Wayne, alors après, le matin, il a eu à répondre à des interviews croisées. Il a rencontré de nouveau Agnès Mathieu Daudet, on était installés autour d'une petite table et c'était rigolo parce qu'elle lui avait ramené, elle savait que c'était un grand lecteur de manga, donc elle lui avait ramené un petit cadeau, ils ont échangé entre eux. Je voyais les autres enfants qui étaient chacun assis avec leur auteur. On se dit vraiment qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, c'est très émouvant. Et puis ensuite, on a tous pique-niqué dans le jardin et puis après, les enfants sont partis avec les auteurs. Et on les a retrouvés sur scène. Donc là, moi, j'étais assise à côté des parents de Wayne. On était tous les trois très, à la fois impatients et anxieux. Et puis, on a vu les enfants arriver. Ils ont présenté tous leur lecture. Et c'était vraiment un moment émouvant. Enfin, on se dit que là, ils sont vraiment... j'ai demandé après à Wayne, il m'a dit, moi, vraiment, j'ai eu un moment d'angoisse, mais... Après, j'étais toute à ma lecture, quoi. J'avais envie de la partager, je voulais voir la réaction du public. Ce qu'on leur souhaite, c'est vraiment d'arriver à donner ce qu'ils ont donné dans la classe, quoi, et à se sentir bien. Ça a été le cas de Wayne, il était ravi.
Et puis, ce qui a été formidable aussi, c'est que c'était retransmis en direct sur le site des petits champions. Donc, il a été suivi par ses camarades de chez eux qui avaient convié leurs parents. Donc, j'ai eu des petits messages qui nous ont félicités, enfin, surtout félicité Wayne. Et puis, on sentait que c'était une aventure collective parce que même les parents des autres enfants de la classe ont suivi avec beaucoup de sympathie le camarade de leurs enfants. Voilà. Donc, je pense vous avoir un peu retranscrit l'ensemble de l'aventure telle qu'elle s'est passée. Moi, j'en garde un souvenir très ému. Et puis, je vous dis, hein, je pense que c'est vrai que c'est difficile de. Une lecture, c'est aussi une mise à nu, quoi. Mais il faut se lancer. Les enfants, ils vont chacun de la manière. Moi, j'ai des enfants qui participent à la première étape pour le club lecture et qui ne veulent pas aller ensuite se présenter devant d'autres. C'est leur choix, je le respecte. Mais en attendant, ils sont là et ils sont amenés dans l'aventure à lire, à partager, à ressentir les émotions. Et en cela, c'est un très, très beau projet. Merci beaucoup, Sandrine. C'était très, très complet. On a un peu dépassé dans notre programmation, mais c'était passionnant et intéressant. Et il était hors de question de vous interrompre dans cette présentation très complète. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage, pour tous ces conseils qui ont été donnés au début, et puis pour ce retour d'expérience sur la finale nationale qui, je crois, fait bien écho à la fois à la journée qu'on partage tous ensemble et puis à l'expérience aussi qu'a vécu Wayne de l'intérieur. Donc, merci beaucoup à vous. Et il y a des remerciements qui arrivent dans le fil de discussion avec des personnes qui nous disent qu'elles aimeraient vivre la même aventure. On vous le souhaite à toutes et à tous. Mais quoi qu'il en soit, rien que de participer avec sa classe, je pense, Élodie comme Sandrine, vous pouvez en témoigner. Même sans aller jusqu'à la finale nationale, ça apporte beaucoup aux élèves, mais aussi à vous en tant qu'enseignant. On va laisser la parole, finalement, sans faire de courte pause, à Frédéric Bruyas pour permettre de terminer à l'heure et de vous garder tous jusqu'au bout dans cet après-midi. Il y a juste une question. Combien d'élèves pour le club de lecture sur les temps d'APC, s'il vous plaît ? Si Sandrine, vous pouvez remettre votre micro pour y répondre. Voilà, vous confiez la parole à Frédéric. Alors moi, je prenais les enfants volontaires. Donc l'année dernière, j'avais 12 élèves. Et cette année, j'ai partagé mon temps d'APC en deux fois parce que j'ai des élèves qui ne pouvaient pas venir le vendredi soir. Donc, ils viennent aussi le jeudi midi. Et là aussi, pour la petite histoire, j'ai une petite fille de classe Ulysse qui est intégrée à certains moments avec nous, qui est venue, qui a assisté à l'APC et qui souhaite aussi participer à la lecture. Voilà. Super. Merci beaucoup. Frédéric, à toi. Oui, Élodie nous dit que c'est une expérience extraordinaire, même si l'aventure s'arrête à la finale départementale. Merci, Élodie, d'en témoigner par ailleurs. Frédéric, je te laisse la parole pour ta dernière intervention sur l'interprétation. Prends bien le temps qu'il est prévu que tu prennes. La conclusion est de toute façon plus rapide ensuite et on terminera, quoi qu'il arrive, à 17h comme convenu pour que chacun soit libéré. Donc, je te laisse la parole. Alors, pour cette dernière intervention, je vais vous proposer qu'on réfléchisse un petit peu plus avant sur cette idée de l'interprétation, sachant que l'interprétation, évidemment, c'est la somme de tout ce qu'on a déjà vu, hein, c'est-à-dire la prise de conscience de son corps dans l'espace, du fait qu'on est des êtres parlants, de reprendre conscience de tout ça, et bien sûr, tout le travail qu'on aura fait vocalement, d'approfondissement sur le texte, de compréhension de la forme, etc., etc. L'interprétation, c'est vraiment prendre conscience de ce rôle tout à fait particulier qui est d'être entre. Hein. Le mot interpréter, c'est vraiment cette idée de bien avoir conscience du rôle qu'il nôtre, c'est-à-dire d'être entre le livre et le public, hein. De vraiment avoir conscience de cette position qui est très particulière, très singulière, et qui fait toute la beauté de la lecture à voix haute, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est un passeur, on est là pour
donner à entendre une œuvre qui n'est pas de nous, hein, mais qui est adressée à tous. Donc, j'ai envie de vous lire quelques lignes à ce propos pour bien prendre conscience de cette position-là. J'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « La lecture à voix haute expliquée aux enfants » et dans lequel j'essaye de préciser un peu ce que c'est que le fait d'interpréter. Alors, je vais vous lire vraiment quelques lignes à ce sujet. Alors, la lecture à voix haute établit une relation triangulaire entre le livre, le lecteur et l'auditeur. Le lecteur est celui qui rapporte une parole inscrite dans le livre. Si le livre est un corps déposé, celui de l'auteur, alors le lecteur prête son corps, le temps de la lecture. Il est interprète. Acte de possession, la lecture à voix haute est l'art de se laisser envahir par les mots de l'autre pour le plaisir des autres. Exercice de disparition. Le lecteur doit se faire oublier au profit de la pensée de l'auteur. La présence du livre témoigne du sortilège. Il est là, ouvert au creux des mains, entre le lecteur et le public rassemblé devant lui. Hommage rendu à l'écriture, la lecture à voix haute est une mise en lumière de la composition, de l'architecture, du travail à l'intérieur du livre. Elle doit donner matière à penser, à sentir, mais ne doit en aucun cas imposer aux auditeurs une manière de penser et de sentir. Le lecteur propose une interprétation nourrie de ses intuitions et d'une analyse en profondeur. En changeant d'état, au sens physique du terme, le texte est délivré, exposé à l'ouïe et à la vue. Voilà. Alors, cette position d'interprète, elle est... moi, je sais que c'est une position que j'aime infiniment, et je pense que les enfants qui vont à un moment donné dire « ben oui, ça y est, moi je veux bien concourir », je pense que c'est des enfants qui aiment bien avoir ce rôle. Hein, c'est comme un ménage à trois, j'ai envie de dire. Il y a le livre, le public, et puis celui qui lit. Alors, c'est cette chose-là, hein, que les gens qui aiment être en public et qui sont des interprètes, hein, à proprement parler, c'est une position qui leur plaît. Donc, prendre conscience de ça. L'interprétation, c'est aussi avoir conscience qu'il va falloir faire entendre vraiment ce que l'on a compris. Compris au sens très fort du terme, c'est-à-dire qu'on a pris pour soi. Comprendre, hein, à nouveau cette étymologie con, hein, l'idée de « avec ». Hein, donc, c'est vraiment comment le texte, on le ressent profondément. On le ressent, j'ai envie de dire... comment on le comprend, mais de manière très, très, j'ai envie de dire, très complète, c'est-à-dire ce qu'on ressent, les émotions, les sensations qu'on a, et ça va nous aider pour donner à entendre une ambiance. Hein. Chaque texte, hein, doit avoir sa couleur particulière. Hein. Et ça, c'est vachement important que vous travaillez vraiment le début, hein, les premiers mots. Ça, c'est vraiment très important, ce moment où le livre s'ouvre, où on ressent comme une espèce d'appel, ce désir de le lire aux autres, et tout de suite d'avoir conscience qu'on va imprimer un climat, une ambiance. Hein, donc les tout premiers mots, ça c'est vachement intéressant de travailler là-dessus, de prendre par exemple des textes très différents, hein, et puis de se dire, tiens, travaillons le début. Est-ce que c'est une confession? Est-ce que c'est une histoire comme ça qu'on a envie de raconter à la cantonade? Voilà, bien avoir conscience de ce début du texte. Ça, c'est vraiment très, très important. D'imprimer un son, parce que c'est ça qui va faire que le public, vous allez tout de suite l'attraper. Sachant que les petits champions, c'est 3 minutes. Hein. Donc, 3 minutes, c'est un vrai temps de lecture. Hein. Ce n'est pas trop court, mais c'est un temps qui est quand même assez ramassé. Et donc, il faut se dire que dès le début, il faut capter son auditoire. Et ce n'est pas forcément en parlant forcément très fort ou en étant brutal, mais c'est au contraire en ayant conscience de ce climat qu'on va essayer d'imprimer à cette lecture. Ensuite, j'ai envie de dire, puisque je vous parle du début, je vous parle aussi de la fin. Comment on termine, hein? Est-ce qu'on a envie d'être conclusif? Est-ce qu'on a envie de laisser la chose presque encore en suspens, hein? Ça va dépendre évidemment de l'extrait, hein, mais ça va aussi dépendre aussi de ce qu'on a envie
quel type de relation on aura installé avec le public. Donc, faites des exercices là-dessus, sur comment je démarre, comment je termine. Ça, c'est très important. Je vais vous dire un peu des choses en vrac, comme ça, qui me paraissent importantes à travailler. Le regard, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je crois que c'était, je ne sais plus qui a parlé de ça. Le regard, c'est à la fois important et à la fois, ce n'est pas un problème en soi. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de dire « Ah, super, je vais vous montrer comme je peux lire en levant la tête sans arrêt et en vous regardant. » Non, ça, ce n'est pas le problème. Hein. Il ne faut pas que ce soit une obsession. Il faut juste se dire qu'il y a des moments où ça va être chouette de regarder le public. Donc, il faut essayer de le déterminer, ça aussi, dans le texte. Il y a des moments où il sera très juste de regarder les gens, de suspendre sa lecture le temps d'un regard. Et ça, c'est des choses aussi que vous pouvez déterminer de manière très précise. Hein. On ne lève pas les yeux comme ça au hasard. On décide. Hein. Moi, j'ai le souvenir... J'avais adapté le texte de Victor Hugo, Claude Gueux, hein, qui raconte l'histoire de cet homme qui va être comme ça emprisonné pour une broutille et puis qui va devenir au final un assassin, poussé par évidemment les conditions carcérales. Enfin bon, ça c'est toute l'histoire de Claude Gueux. Eh bien, je me souviens que la lecture durait presque une heure et demie et c'était une lecture qui était tellement intense que j'avais envie de laisser les gens à leur écoute. Et en fait, j'avais choisi un seul moment très précis pour regarder les gens. C'était très clair, une fois. Et du coup, bah, ça prenait une force incroyable. Donc, le regard, ce n'est pas gadget, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Ensuite, les mains. On peut tenir son livre avec ses deux mains, mais on peut aussi avoir envie, à un moment donné, de tenir le livre avec une main, pourquoi pas. Alors, cette autre main, si on a envie de faire des choses avec elle, c'est pareil. Il ne faut pas que ce soit un tic. Hein, il faut que ce soit vraiment, je ne sais pas, un prolongement du texte, une manière de faire vivre l'écriture. C'est des choses qui peuvent être presque chorégraphiées. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'essaye de faire en sorte que si j'utilise ma main, eh bien celle-ci, elle soit vraiment en accord avec le texte. Que ce ne soit pas parce que je ne sais pas quoi faire de ma main, quoi. Hein. Donc voilà, ça aussi, c'est important. J'ai envie de peut-être à nouveau de prendre un exemple pour vous aider à une fois de plus bien comprendre ce que je raconte. Je crois que l'exemple c'est quand même la meilleure des manières. J'ai choisi un texte d'un auteur qui écrit pas pour les enfants, hein, mais qui raconte un épisode de son enfance, un très beau texte d'un auteur irlandais qui s'appelle Hugo Hamilton. Et voilà, c'est un texte autobiographique où il est question d'enfance. Et voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Il parle donc de quand il était... Alors voilà, par exemple, une chose à laquelle je pense aussi. Mon extrait, là. Il doit durer à peu près 3 minutes, d'ailleurs. Je pourrais concourir pour les petits champions avec ce texte. Ce texte, il faut le contextualiser. Voilà. Ah, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est vrai que c'est une chose importante. Alors, moi, il faudrait que je dise quoi pour ça? Ben, je dirais, voilà, je vais vous lire un texte où l'auteur nous raconte des épisodes importants de son enfance. Et là, il va nous raconter, évidemment, un problème majeur qui est celui qu'il a une double appartenance, puisqu'il a une maman qui est allemande et un papa qui est irlandais. Et que ça pose des problèmes parce qu'on est juste après la Seconde Guerre mondiale et que c'est pas facile d'avoir une maman allemande après la Seconde Guerre mondiale. Et d'être en Irlande, qui est un pays où il y a beaucoup de choses à faire. Ça, ce serait pour la contextualisation. Et puis, l'ambiance dont je vous parlais tout à l'heure, et le début. Quand on est petit, on ne sait rien. Quand j'étais petit, je me suis réveillée en Allemagne. Donc, vous voyez ce début, cette première phrase. Elle est de l'ordre d'une réflexion générale, mais c'est de la pensée à voix haute. Quand on est petit, on ne sait rien. Quand j'étais petit, je me suis réveillée en Allemagne. Et vous voyez, le rythme est différent, c'est-à-dire que je bascule dans l'histoire. Et ces petits moments de bascule, c'est ça qui fait que le public il est avec vous. Il sent que vous êtes dans quelque chose qui est du présent,
Hein. Il faut vraiment bien faire prendre conscience ça, enfin que les enfants prennent bien conscience de ça. Une lecture à voix haute, c'est une lecture, même si on raconte quelque chose du passé, c'est une lecture qui se fait au présent. Hein. Et pour ça, le mot présent a donné le mot présence. C'est cette qualité de présence qui va venir de cette conscience que la chose, elle est en train de se passer maintenant, ou le souvenir, il arrive maintenant. C'est cette capacité à être dans son texte tout de suite, hein, et à l'inventer à mesure qu'on le lit. C'est pour ça qu'il ne faut pas savoir le texte par cœur. Hein, même si on peut évidemment, même un texte par cœur, le réinventer, donner à entendre qu'on le réinvente. Mais il n'empêche qu'il faut vraiment avoir que le public ait l'impression que vous êtes en train de l'écrire là, sous leurs yeux. Hein. Quand on est petit, on ne sait rien. Quand j'étais petit, je me suis réveillée en Allemagne. J'ai entendu des cloches, je me suis frotté les yeux et j'ai vu le vent qui gonflait les rideaux comme un gros ventre. Et puis je me suis levée, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'Irlande. Alors vous voyez, c'est tout ce début nous emmène à « et j'ai vu l'Irlande ». Et là, il faut réussir à faire ce petit silence de rien du tout, mais qui va essayer de nous faire sentir que c'est bizarre quand même. Il a vu l'Irlande, il s'est réveillé en Allemagne, on sent que il y a quelque chose qui a du mal à s'organiser dans la tête de ce petit garçon. Donc, faire sentir cette errance, ce moment où il y a de l'incertitude, où il y a quelque chose qui vacille. Et pourtant, la phrase continue. Donc, ça aussi, quand vous serez avec les enfants et que vous allez rentrer vraiment dans cette idée de l'interprétation, il va falloir travailler sur ces petites suspensions, sur le silence. Alors, le silence, c'est une notion... évidemment très vague, hein. Il peut y avoir des silences extrêmement brefs, mais c'est cette capacité qu'on a à terminer le son de la phrase « et j'ai vu l'Irlande ». Après le petit déjeuner, on est tous sortis dehors, en Irlande, et on est allé à la messe à pied. Après la messe, on est descendu au grand parc vert au bord de la mer, parce que je voulais montrer à ma mère et à mon père que je pouvais me tenir debout sur le ballon et compter jusqu'à 3 avant que la balle gicle dessous mes pieds. Je courais après, mais je ne voyais rien avec le soleil dans les yeux et je suis tombée sur un homme couché dans l'herbe, la bouche ouverte. Il s'est redressé tout d'un coup en criant « Cré nom de Dieu !» Dialogue. Tiens, dans le fil de la narration, tout d'un coup, on a du dialogue. Alors, il faut que... C'est comme on jette un... J'ai envie de dire, c'est presque... On jette un caillou dans l'eau. Vous voyez, ça fait comme une espèce de c'est comme un petit accident tout d'un coup, ce dialogue. Alors, il faut bien le préparer. Il s'est redressé tout d'un coup en criant « Cré nom de Dieu !» Il m'a dit qu'à l'avenir, il fallait regarder où j'allais. Alors, je me suis vite relevée et j'ai filé rejoindre ma mère et mon père. Je leur ai raconté que le monsieur avait dit « Cré nom de Dieu !» Donc là, c'est un dialogue, mais rapporté. Hein? Donc là, il faut réussir, avec la même phrase, à faire entendre d'abord la parole de ce monsieur, évidemment, dans le souvenir d'Hugo Hamilton, qui là essaye de retrouver son enfance. Et puis après, il faut essayer de faire entendre le moment où l'enfant a rapporté cette parole. Donc vous voyez, ça c'est des questions qu'il faut se poser, se dire tiens, comment je vais faire pour faire entendre ça? Alors il faut faire des essais, il faut essayer des trucs. Hein. Donc voilà, là il y a un petit moment de dialogue. Donc le dialogue, c'est quelque chose qui doit être dans le fil de la narration quand même, c'est-à-dire qu'on ne passe pas du coq à l'âne, mais il faut sentir qu'il se passe quelque chose. Donc peut-être que là, tout d'un coup, vous voyez, j'ai tendu un peu la phrase, un peu plus. Mais je n'ai pas complètement... Je suis restée quand même dans quelque chose au niveau esthétique, au niveau de la couleur, qui est dans le fil de la narration, malgré tout. C'est plus dans le rythme. Hein. C'est ce qui fait qu'on n'est pas au théâtre, qu'on reste dans la lecture. Hein. Donc, par rapport au dialogue, il faut vraiment essayer de se dire... le petit garçon, tout à l'heure, il l'a bien fait. Il a bien expliqué... cette idée qu'une grosse voix là, pour Madame Le Gourdin et puis la petite voix pour les enfants, c'était pas si différent pour finir. Moi, j'ai trouvé vraiment qu'il avait très, très bien géré cette chose-là. Hein. Alors, je continue. Il s'est redressé tout d'un coup en criant, bon, ça, je l'ai déjà fait, « Cré nom de Dieu !» Il m'a dit qu'à l'avenir, il fallait, etc. Là, j'ai déjà fait, clac, 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 clac. Je leur ai raconté que le monsieur avait dit « Cré nom de Dieu !» Mais ils avaient tous les deux le dos tourné et ils riaient en regardant la mer, comme s'ils se moquaient d'elle.
Mon père riait et clignait les yeux derrière ses lunettes. Ma mère avait la main sur la bouche et elle riait en regardant la mer. Elle riait tellement qu'elle en avait les larmes aux yeux. Et j'ai pensé, peut-être qu'elle ne rit pas du tout, mais qu'elle pleure. Alors vous voyez, peut-être là, c'est de la pensée à voix haute de l'enfant. Donc peut-être là, j'ai eu envie de ralentir un peu, de faire entendre peut-être, le peut-être, vous voyez, cette chose où il ne sait pas trop. Peut-être qu'elle ne rit pas du tout, mais... Hein? Et on revient à l'histoire. Ses épaules se soulèvent. Elle a les yeux rouges et elle n'arrive pas à parler. Comment savoir ce que ça veut dire? Savoir si elle est triste ou heureuse? Et comment savoir si son père est heureux ou toujours en colère contre toutes ces choses en Irlande qui ne sont pas encore finies? Oui, une suite de questions. Comment savoir ce que ça veut dire? Peut-être là, j'aurais envie de regarder le public à ce moment-là. Ses épaules se soulèvent, elle a les yeux rouges et elle n'arrive pas à parler. Comment savoir ce que ça veut dire? Savoir si elle est triste ou heureuse? Et comment savoir si son père est heureux ou toujours en colère contre toutes ces choses en Irlande qui ne sont pas encore finies? Peut-être que j'aurais regardé le public, vous voyez là-dessus, sur cette première question. J'aurais pris le temps de la poser au public. Comment savoir ce que ça veut dire? Savoir si elle est triste ou heureuse? Ces deux questions, peut-être, je les aurais adressées au public. Dans le texte pour la troisième question. Et comment savoir si son père est heureux ou toujours en colère contre toutes ces choses en Irlande qui ne sont pas encore finies? Et j'aurais, vous voyez, je reprends un peu du rythme. Et là, après, vous allez voir, c'est une suite d'affirmations. On sait que le ciel est bleu, que la mer est bleue et qu'ils se rencontrent là-bas, très loin, à l'horizon. On peut voir des bateaux à voile collés sur l'eau, des gens qui se baladent avec des cornets de glace. On peut entendre un chien qui aboie en rouspétant contre les vagues. On peut le voir debout dans l'eau. Il jappe et il essaie de mordre l'écume. On peut voir le temps que prend l'aboiement pour arriver jusqu'à soi. On dirait qu'il vient d'ailleurs et qu'il n'appartient plus du tout au chien, comme si le toutou s'était enroué et avait perdu la voix à force de hurler. Et là, à nouveau, on revient au début. Donc, il faut essayer de retrouver le son du début. Quand on est petit, on ne sait rien. Et là, l'idée se développe. On ne sait pas où on est, qui on est, ni quelles questions poser. Il faut se poser la question des adresses, c'est-à-dire je m'adresse. Là, c'est une adresse plus générale. Tout à l'heure, peut-être que quand je racontais l'histoire, je m'adressais peut-être plus à une personne. Hein, l'idée de réfléchir aux adresses, c'est très important ça. À soi, aux autres, à une personne. Ça peut être des exercices qu'on fait en classe. Hein. Ça change le placement vocal et ça change l'intention. Donc ça, c'est des questions que vous pouvez évoquer dans le travail de préparation et de trouver justement des solutions d'interprétation. Je vais terminer, je crois que j'ai encore un peu de temps, un tout petit peu. Je vous termine le texte. Et puis un jour, ah, vous voyez le « et puis un jour », ah, on bascule un petit peu dans autre chose. Ma mère et mon père ont fait un drôle de truc. D'abord, ma mère a écrit une lettre chez elle, en Allemagne, en demandant à une de ses sœurs de lui envoyer des pantalons neufs pour mon frère et moi. Elle voulait qu'on porte un vêtement allemand, des Lederhosen. Quand le paquet est arrivé, on brûlait d'envie de les enfiler et de courir dehors jusqu'au bout de la ruelle, derrière les maisons. Ma mère, elle n'en croyait pas ses yeux. Debout, un peu en retrait, elle battait des mains et elle a dit « Maintenant, vous êtes des vrais garçons. » Vous pouvez escalader les murs et grimper aux arbres tout votre sou. Ces pantalons de cuir allemands sont indestructibles. Et il l'était. Alors, mon père a voulu qu'on porte aussi un truc irlandais. Il est sorti illico acheter des chandails d'Aran tricotés à la main. De gros pullovers en laine blanche avec des torsades. Ils viennent de l'ouest de l'Irlande et ils sont indestructibles aussi. Alors mon frère et moi, on est sortis en courant avec nos lederhosen et nos tricots d'Aran. On sentait la laine brute et le cuir neuf. Irlandais en haut, allemand en bas. On était indestructibles. On pouvait faire du toboggan sur les rochers de granit, tomber sur des clous, s'asseoir sur du verre. Maintenant, plus rien ne pouvait nous piquer. On a couru sur la petite route encore plus vite que d'habitude, frôlant au passage des orties qui nous arrivaient aux épaules. Quand on est petit, on est comme une feuille de papier vierge. Sans rien de marqué dessus. Voilà. Je vais m'arrêter là. Hein. C'était un petit peu un peu comme une masterclass ce dernier
cette dernière intervention. Et j'ai essayé de vous livrer un petit peu un travail que je pourrais faire moi, toute seule, dans ma maison. Voilà. Merci en tout cas pour votre... Hein, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais malgré tout, j'essaye de vous imaginer. Bon travail et bon jeu des petits champions. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette dernière intervention. Je crois que tu as de nombreuses félicitations qui arrivent dans le fil de discussion. Merci. Voilà, superbe, merci, bravo, c'était très agréable. Enfin, voilà, il n'y a que du positif. Donc, encore une fois, je vous partagerai toutes les ressources que Frédéric partage avec vous cet après-midi dans le mail qui fera suite à cette formation. Et je repartage mon écran un instant avant de clôturer cet après-midi pour vous partager à l'écran la bibliographie qui vous sera également envoyée dans ce mail. Donc, la bibliographie des textes cités par Frédéric et non proposés à l'écran et qui est complétée dans le mail de demain avec le livre écrit par Frédéric qui s'appelle « La lecture à voix haute expliquée aux enfants » que je recommande à tous, qui est vraiment très complet et qui, je pense, voilà, vous donnera encore plein d'outils et de ressources pour travailler autour de la lecture à voix haute avec vos élèves. Voilà. On va conclure assez rapidement maintenant. C'est le moment pour vous de nous envoyer vos questions d'ordre pratique. Ici, j'affiche à l'écran les inscriptions en trois étapes à réaliser avant le 7 janvier avec un tutoriel mis à disposition sur le site internet pour vous y aider. Donc, n'hésitez pas par ailleurs à l'adresse contact@lesetitchampionslecture.fr à nous écrire si vous rencontrez la moindre difficulté. On est à votre disposition pour vous répondre, pour vous accompagner sur des points très pratiques, mais aussi sur les ressources et puis sur d'autres conseils qu'on peut vous donner. On est aussi à votre disposition pour prévoir un petit rendez-vous téléphonique si besoin et puis pour vous envoyer, entre autres, le guide de sélection, comme je le disais tout à l'heure. La présentation, vous le découvrirez quand je vous l'enverrai, se termine avec des petits verbatims d'enfants, d'enseignants, de bibliothécaires qui ont participé et qui partagent leur joie et le positif que leur apporte aussi cette participation. Donc, vous pourrez les consulter à ce moment-là. Je regarde s'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Pour l'instant, il me semble qu'il n'y a que des remerciements. Donc, c'est formidable. Je vais demander à Frédéric, à Élodie, à Sandrine de rallumer leur caméra et leur micro pour saluer tous les participants une dernière fois avant qu'on se quitte. S'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent par ailleurs, mais elles pourront toujours être posées par mail également ensuite. Élodie, Sandrine, merci encore. Merci à vous, merci à tous. Et ça y est, le recueil d'activités est quasiment prêt. Je l'envoie à Laura, comme ça, vous pourriez le diffuser. Génial, merci beaucoup Élodie et merci pour votre intervention, pour votre investissement tout au long de ces années et puis particulièrement depuis quelques temps. On vous sollicite beaucoup pour sillonner votre département mais aussi pour intervenir avec nous. Donc merci pour votre disponibilité très précieuse. Sandrine, merci également pour votre intervention cet après-midi qui était très riche et complète. Je ne sais pas, j'ai peut-être un peu. Je me suis peut-être laissée un peu emporter, mais enfin. Mais c'est voilà. Très bien. C'est la preuve que la participation au jeu suscite beaucoup d'émotions et qu'on se laisse emporter finalement par un sujet qui devient le sujet de la classe, du groupe et qui passionne tout le monde. Donc c'est super. Merci pour toutes ces bonnes propositions, idées, conseils qui ont été partagés et qui, je pense, ont suscité beaucoup d'envie auprès des enseignants qui nous ont écoutés. On a beaucoup de remerciements dans les messages. Merci à tous pour votre écoute. Merci, Frédéric, je te laisse faire un dernier coucou, mais tu as dit au revoir à tout le monde tout à l'heure. Merci vraiment beaucoup pour votre écoute, pour
Voilà pour votre investissement. Merci d'avoir de vous être inscrit à cet après-midi. On est ravis d'avoir proposé pour la première fois cette année ces temps d'échange. Et on espère pouvoir les développer et venir avec un contexte qui va devenir favorable à votre rencontre prochainement pour délivrer ces échanges en réel et non pas tous cachés derrière nos écrans. Voilà. À très bientôt. On est à votre disposition encore une fois pour toute question. Et je me permettrai de mettre les coordonnées d'Élodie et de Sandrine, si elles sont d'accord, en copie du mail que j'enverrai demain avec l'ensemble des ressources pour que vous puissiez, si besoin, reprendre contact avec elles pour des aspects pratiques. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous remercie encore pour votre attention. À très bientôt. À très bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir.